gars, je vous jure, je suis fatigué, sa race, les gars. Hey, j'hésitais à pas le faire le live, les gars. J'ai pas voulu le faire le live, mais je me suis dit, je vais quand même respecter. Je vais quand même faire ce live. Mais je vous jure, moi j'étais à deux doigts de m'endormir. Je me suis endormi, j'ai fait une petite sieste et tout là. Wouah! Mais bon, je suis quand même là, les gars. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, les refs, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Donc attendez vite fait. Alors, par contre, les gars, je vous mens pas. Je vous mens pas. Vraiment, je vais vous dire un truc, je vous mens pas. Je suis un petit peu plus intéressé par le match de l'Olympique de Marseille que celui du Barça, honnêtement, puisqu'on est sûr d'être éliminé et tout. Donc forcément, il n'y a pas trop, tu vois, de motivation à regarder un match. Alors qu'on sait qu'on est éliminé. Donc en vrai, les gars, je pense qu'il y a des moments où je regarderai le match de l'OM. Donc voilà. Je voulais juste vous dire ça. Pour ceux voilà, qui entendent par exemple des fois les commentateurs du match de l'OM, c'est normal, d'accord les gars, voilà, comme je vous ai dit. Je vais pas chercher midi à 14h. En plus là les gars, je suis fatigué, je suis vraiment à deux doigts. Les gars, si je m'endors et tout, les gars, comprenez-moi. Oh là, je suis fatigué aujourd'hui, c'est un autre truc. Il y a des journées comme ça où je suis mou. Eh ben c'est aujourd'hui. De quoi, toi aussi pour le match de l'OM? Moi aussi, je pense que je vais aller voir un petit peu le match de l'OM, même si je vais regarder un petit œil du côté du Barça, forcément. Mais je vais pas te mentir, je vais peut-être jeter un petit coup d'œil plus que prévu sur l'Olympique de Marseille. Donc, bon. Yo, ça va ou quoi? Ben, ça va bien et toi, frérot? Un petit peu fatigué, mais ça va, tranquille. On est là, quoi. Ferran Torres titulaire, les gars. Pourquoi Dembélé n'est pas débuté aujourd'hui? Parce que Xavi fait tourner. T'as pu le voir déjà. Il y a Iñaki Peña au gardien. T'as pas de Jules Koundé. T'as vraiment l'équipe numéro... Ouais, numéro 2, les gars. Ouais. L'équipe des remplaçants. On a Ilias sur le banc. Ah, ben ouais, ouais. Mais tu sais quoi, même il aurait pu mettre Ilias à quoi match à la place de Rafinha, peut-être. Mais bon. Mais bon, d'après ce que je vois, quand même, Marseille, ça a l'air chaud là-bas. Hein. Je vois l'ambiance pour l'arrivée des joueurs de l'OM et tout. Franchement, ça a l'air pas mal. Et je vous dis, il y a peut-être moyen que je mette aussi sur le match de l'OM un peu. On avait promis à Rafinha qu'il va jouer sur le côté droit. Ah bon, c'est qui l'avait promis? Salut à tous les abonnés. Salut à toi, Sultan. Comment tu vas, frérot? Les jeunes vont devoir montrer ce qu'ils vaut. Ouais. Ah bah ouais, là Iñaki Peña. T'as Pablo Torre qui joue pas beaucoup. Après, t'as Ansu Fati, bon, qui est titulaire un peu, mais voilà, pas non plus comme début de saison avec Coman, là, la première saison de Coman en 2020-2021, où il était incroyable, après il s'était blessé, et là, après, voilà, quoi. Donc, on va voir, hein. D'ailleurs, j'ai vu, ça fait plus de un an que Ansu Fati n'avait pas été titulaire... deux fois de suite, et là aujourd'hui c'est le cas, donc j'espère un petit peu qu'il va mettre un petit but, parce que là honnêtement c'est le Victoria Splendid, donc s'il met pas ne serait-ce qu'un but, je comprends pas. Yo le sang, comment tu vas Paul Pogba, tu vas bien? Regardez, pour la première fois depuis exactement un an, Ansu Fati est titulaire deux matchs de suite. Ouais, c'est cool. Par contre, il y a une stat qui me plaît pas trop là quand même. Hein. La dernière fois qu'Ansu Fati avait enchaîné deux matchs de suite, c'était face au Dynamo Kiev, puis face au Celta Vigo. Il a été buteur décisif au premier match avant de se blesser au deuxième. Oh là là, j'ai peur. Bon, quel que soit le résultat, bon, ça c'est ce qui lui attend. Donc il faut donner la chance au joueur devant. On veut revoir le Ansu Fati numéro 31. Ah ouais, il était incroyable.
C'est pas un gros match, ça a pas de valeur, faut enchaîner. OM, ça c'est de la valeur, mec. Ouais, je sais, mais on est quand même avant tout des supporters de Barcelone, donc je vais pas non plus me mettre 100% à Marseille non plus, hein. On est là pour regarder le Barça jouer. Oh, les vestiaires, ils sont bizarres, hein, du Victoria. Après, bien sûr, je jetterai un coup d'œil sur les deux matchs, hein. Ouais, j'ai vu, ouais, l'Atlético, ils sont éliminés. Bon, bah écoute. Tant pis pour eux, écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ce qui fout la haine, c'est que t'es dernier avec le même nombre de points que le troisième, tu vois. Et ça fout trop la haine. Ça fout trop la haine. J'aurais trop la haine, moi, à leur place. 20 euros, c'est possible. Ouais, ça serait bien. Mais, de toute façon, même si on n'est pas, comme ça s'appelle, on n'est pas qualifié et tout, ben, on va pas se mentir, c'est quand même mieux de partir là, avec une victoire, quand même. Ça serait pas mal. Je suis aussi Marseille. Ah bon. Les gars, moi aussi je vais regarder un petit peu le match de Marseille, mais je regarderai aussi en même temps le Barça, les gars. Je vais voir, ouais, je vais peut-être voir un petit peu les premières minutes du match de Barça, et les gars, et si le match du Barça vraiment ne me convient pas, ben je pense que je me tournerai un petit peu plus sur Marseille. Je suis pour Marseille. Ben, moi je suis pour Marseille, mais la dernière fois j'ai pas trop aimé. Il y a eu beaucoup de Marseillais qui se sont foutus de la gueule du Barça parce qu'on était en Europa League. Et honnêtement, juste les voir éliminés pour que moi après je me foute de leur gueule, ce serait plutôt pas mal en vrai. Ouais, il y en avait plein là sur TikTok là, des Marseillais, ils étaient tous contents de voir le Barça en Ligue Europa. Donc juste pour ça, j'aimerais bien qu'ils aillent faire un petit tour en Ligue 1 et plus de compétition. Même si j'avoue que je suis pour l'OM, mais bon. En fait, ce qui me fait chier, c'est que j'aime l'OM et le Barça, sauf qu'après on va me dire ah, l'OM sont qualifiés, pas le Barça, nanani, et c'est ça qui va me foutre le plus la haine. Je le sais, c'est ça qui va m'énerver encore plus. Mais bon, c'est comme ça, il faut accepter, les gars. Il faut accepter d'être en Europa League, hein, malheureusement. Ça se joue le match de l'OM, j'imagine, sur Canal. Oui, on entend des bruits bizarres. Quoi? Ah bon, Dylan, ils se sont moqués de mon Barça? Ouais, il y en a, ouais. Ouais, parce qu'on était en Europa League et eux, ils se croient supérieurs parce que ils sont encore vivants. Mais bon, après. Tu compares pas quand même la poule du Barça et la poule de Marseille quand même, hein. J'aurais aimé me retaper Francfort quand même. Ça aurait été drôle, hein. La petite revanche de Francfort là. Ça aurait été plutôt pas mal, hein. Ouais, ça se joue au Vélodrome, ouais. C'est où le match de l'OM? C'est sur RMC Sport, non, les gars? Amazon Prime, non? RMC Sport, on va aller voir un RMC Sport. Ouais, je pense que c'est de là. Je souhaite que Tottenham leur donne la leçon. Ton avis à toi, tu penses que Laporta mettrait un nouvel entraîneur à la place de Xavi? Non, jamais de la vie. Il faut, si Xavi ne gagne pas de trophée, oui. Mais je pense qu'il va en gagner un quand même. T'as la Copa del Rey, la Super Copa qui est jouable, t'as la Liga qui est jouable et t'as l'Europa League aussi qui est jouable. Donc en vrai. Ouais, j'ai vu, ouais, que le Barça suivrait Arteta. Moi perso, j'y crois pas trop non plus, mais bon. Pour moi, ils ont 100% confiance à Xavi.
Voilà, eh, en vrai, ça va être un gros match, hein. Tu le sens l'ambiance déjà dans le stade Vélodrome, hein. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Quoi? Oui, je suis en live. Pourquoi? Ton avis à toi? Attends, je vais mettre. C'est quoi ta question alors? Attends. Alors, ton avis à toi, tu penses que Laporta mettra. Ah non, mais ça je l'ai vu. Arteta, mais. Non, mais Klopp, ok. De quoi vous préférez avoir Klopp? Bon, arrêtez de rêver, les gars. Pour l'instant, on a Xavi, ça nous va bien, non? Nous va bien, non, Xavi? Aïe 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 aïe. Eh les gars, je suis mort. Liverpool au Barça, je serais ok. De Liverpool. À Liverpool. Non, Liverpool, tu veux dire. Putain, mais pourquoi nous on n'est pas à la place de Marseille là? Un gros match comme ça là, c'est soit on gagne, soit tout là, on est qualifié, soit on peut en être éliminé. Moi j'aurais trop kiffé avoir un match comme ça, un match à suspense et tout comme ça. Parce que là les gars, honnêtement, le match du Barça, voilà quoi. Bon match amical à nos Blaugrana, lol, et bon match en jeu à ceux qui doivent absolument gagner. Ça, je pense que ça parle de l'OM. Non, Liverpool. Ah, en fait, t'as fait exprès, c'est pour ça, ok. Quand je vois le tableau de la poule du Barça, je suis choqué, Dylan. Ah, bah, tu m'étonnes. T'as vu aussi la poule qu'on a eue aussi la poule qu'on a eue. Telle l'ambiance qu'il y a au Vélodrome, pourquoi elle ne se fait pas comme ça? C'est mon plus grand, pas plus grand regret, mais genre ma plus grosse colère en fait, c'était que les matchs de l'OM et du Barça soient le même jour. J'aurais trop kiffé les matchs de l'OM, soit par exemple demain et tout. Ça aurait été trop stylé, genre j'aurais pu regarder et tout. Mais bon. Ah là 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 là. Hugo Lloris. Hugo Lloris! Je vais baisser un petit peu le son de l'IPTV là parce que ça casse les oreilles là. Voilà, là on est bien. On va quand même mettre aussi le match du Barça les gars. Au moins on aura les. Oh tiens, je vais essayer de coller deux matchs. Ce que je vais faire, je vais mettre le match de l'OM sur cet écran et le match du Barça ici. Et le chat, je vais me démerder pour le voir. Ce que je vais faire. Oui. Bah putain, j'arrive pas à trouver le match du Barça. Tu as raté l'ambiance de la victoire Tottenham, Inch'Allah. Ah, pourquoi tu veux que Tottenham gagne? Bon, mais moi j'aurais aimé voir Marseille vs Barcelone. Ah ouais, moi aussi. Oh, ça aurait été incroyable. Les deux plus beaux stades d'Europe. Parce que oui, le Vélodrome pour moi fait partie de un des plus beaux stades d'Europe.
à la putain de témoin, Romain. Moustique de ta mère. Putain, alors il me casse les bonbons, lui, à se balader comme ça. Oh, la sortie des joueurs de l'OM. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, les gars, s'il vous plaît. Ça serait super gentil de votre part. Ah, moi, j'aimerais pas être à la place de l'OM. Hein. Je me chierais dessus, là. Quand je rentre sur le terrain, je me ferais caca dessus, tellement j'aurais trop peur. Mamma mia, j'ai senti une bête me monter dans les cheveux. Oh là là, le vélodrome, il est incroyable. Tifou. Je suis trop mort, les gars. Mais wesh, j'en ai marre, je trouve pas le match du Barça, les gars. Les gars, vous connaissez pas un site de streaming? Parce que c'est bizarre que j'ai pas. Ah, ça par contre, je comprends pas, les gars. J'ai pas le match du Barça, les gars, je vais péter un plomb. Je trouve pas le match du Barça, les gars. J'ai envie de pleurer. Y a pas quelqu'un qui a un lien pour le. Y a pas quelqu'un qui. Je sais pas moi. Y a pas quelqu'un qui connaît un site de streaming, s'il vous plaît. Là, honnêtement, j'ai même pas. Je sais pas, j'ai même pas vu ne serait-ce qu'un joueur du Barça, quoi. Je veux voir le match du Barça aussi. Y a pas. Oh, c'est entraînement pas des putain. Nous sommes la mer. Il peut plus rien faire. C'est un présage de quoi. Mais moi, je veux voir le match du Barça, quoi. J'ai pas de truc pour le match du Barça, ça marche pas. Bah, j'ai pas le match du Barça, c'est cool. D'habitude, j'ai tout le temps le match du Barça, là je l'ai pas. Ah putain, mais moi je peux pas le regarder, match du Barça, je vais péter un plomb, je vais devoir insulter des morts, je le sens. Ah vas-y, je sens une bête voler depuis tout à l'heure, je vais péter un plomb, les gars, la vie, je suis fatigué, j'ai même pas, ah, j'ai envie de tout péter là. Pleurer quoi, je suis fatigué là. Et je peux même pas voir le match du Barça et je peux rien faire en fait. Putain, j'essaie de voir, c'est de streaming, les gars, je peux pas, je sais pas. Là j'ai que le match de l'OM devant. Ça y est, j'en ai marre, ça y est. Sur Super Sport. Merci, attends, je vais aller voir. Super Sport. T'es en train de regarder sur Super Sport. Ah, mais c'est une chaîne payante ou pas?
Quelle chaîne? Là, je passe sur le match du Barça, là. Le match du Barça, c'est sur Bein Sport 1. Mais ça marche pas ton truc, frérot. Ah là 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 là, je vais changer peut-être le titre, les gars. Je vais mettre l'OM parce que je peux pas voir le match du Barça, c'est en train de me péter les cacahuètes, je sais pas pourquoi. Bon, ben ça marche pas ton lien. C'est une chaîne anglaise. Ah, mais ouais, mais parce que t'as payé toi l'abonnement. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je voyais des trucs qu'on s'appelle sur Twitter, vous avez des liens pour le match du Barça, je comprends mieux en fait. Moi aussi je suis en train de galérer à regarder le match du Barça, je vais péter mon crâne. Alors quand je vais payer un abonnement, vous êtes battu ou quoi? Bah les gars je suis en galère, je cherche pas à trouver de... Ferran Torres banque le ballon de 5 cm pour ouvrir le score. Vas-y, la putain de témoin. Je vois tous les commentaires sur Twitter, mais je vois pas mon match. C'est en train de me péter les couilles. En même temps, mais aussi. En fait, je sais que si je remets sur IPTV, je vais avoir 2 minutes. 2 minutes de retard. 2 minutes de retard, c'est sûr. Je vais avoir 2 minutes de retard. Bon, vas-y, tu sais quoi, nique sa race, je vais mettre le match du Barça. Écoute, hein, mais j'aurai 2 minutes de retard. Lui qui me spoil. Qui me dit un but, il est ban. C'est bon? Je vais pas m'amuser à. À hopler, là, à me faire spoil tout le match. Là, déjà que j'ai 2 minutes de retard, la putain de. C'est mort. Ah ça me rend fou. Hein. J'ai tout le temps le match là, putain. Putain, mais si j'avais su, mais je serais allé dormir. Hein. Attends, c'est où le match? Allez hop là, j'ai le match du Barça, j'ai 2 minutes de retard les gars, donc lui qui spoil, il sera banni quoi. Merci BG, de quoi? Tu peux mettre le match, je le regarde à la télé. De quoi? Je peux pas montrer le match moi. Je peux pas le montrer le match, sinon je me fais ban. On n'entend rien le son derrière là de... Ouais, ok, bon. Allez. On aura 2 minutes de retard, c'est pas grave. Alors ce que ça donne, Ferran Torres, c'est ce qui va marquer. Ouais, c'est sur IPTV, j'ai pas de lien. Parce que d'habitude, les matchs, tu les retrouves des fois sur Twitter. Il aurait été sur Twitter, je t'aurais mis le lien, mais. Bizarre qu'il j'ai pas t... je trouve pas de lien sur Twitter, c'est bizarre. Que je l'aurais trouvé, je l'aurais mis, mais bon. Regardez, vous avez 10 buts. Regardez dans combien de temps je vais voir le but, moi, vous allez voir. Dites-vous que là, je suis quoi, à la cinquième. Cinquième minute, les gars, à peine. Hein. Alors qu'on a la combien de. Comme il a marqué à la combien de minutes? Ah merde, on sait pas. Si, à la sixième minute. Ouais, bah là maintenant je vais juste voir le but. On m'avait dit 2 minutes avant le but, vous imaginez? Allez, 1-0 pour le Barça. Hop là.
Je suis en train de regarder quand même si je le trouve pas sur ce tuteur. Tu as toujours des liens, t'as toujours, mais là c'est bizarre. Même l'OM, il n'y a pas de lien sur Twitter, c'est bizarre, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Si je le trouve, je vous mets le lien, les gars. Je vais quand même aller voir. Non, il n'y a rien. Bon, mais du coup, premier but de Marco Sanuz avec le Barça, les gars. Ouais, ben, je trouve pas, les gars. Je vais quand même aller voir l'OM. OM. Allez voir. Ah, l'OM Yana. Attendez les gars. Avec Gigo qui rentre les gars. Merci en tout cas pour les 69 spectateurs, wesh. Moi je veux juste devoir ouais pour Eric Bailly. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Bon, écoute, pas grave. Hein. Ah, là, j'ai les deux matchs, là, c'est pas mal. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, tous ceux qui sont présents sur le live, les gars, parce que là, maintenant, je peux même plus voir combien vous êtes, les gars. Même pas, je peux même pas voir combien vous êtes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir les gars, parce que là j'ai mis les deux matchs sur les deux écrans et j'ai mis le chat, donc je peux plus voir combien vous êtes. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu les gars, très 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 important. Il y a vous abonner au tout nouveau avec Gavi, Marcos Alonso, Pablo Torre. Dylan, c'est parce que le Barça est négligé que l'on te fait ça. De quoi? C'est parce que le Barça est négligé. Ça veut dire quoi négligé déjà? Je sais même pas ce que ça veut dire. Essaye de dire la même phrase mais en plus facile s'il te plaît, j'ai rien compris moi la phrase. Et faute sur Gavi les gars. En directo. Ouais. Enfin, il s'est fait dégager, Gavi, maman, il s'est fait injecter. Elle avec Ant Fati. Attention, une occasion pour l'OM, les gars. Et il y aura faute pour l'OM.
Attention, le centre pour le Barça, les gars. J'essaie de gérer les deux matchs avec Hector Bellerin. Je suis fatigué, les gars. Je me suis endormi à 5h du matin. Je me suis réveillé à 9h du matin. C'est horrible. C'est horrible. J'ai envie de dormir. Avec Jordi Alba qui m'a l'air d'avoir mal. Attention, il va avoir coup franc pour l'OM. Donc on se met spécial l'OM. Très mal tiré, hein, le coup franc du Barça, de l'OM. Allez, on repasse sur le match du Barça. Avec Jordi Alba. Fatih, Jordi Alba, Pablo Torre, Marco, Gérard Piqué, pardon, Gavi pour son beau-père. Oh, attention, oh là là, Piqué. Ouf. On a pu se faire chipoter la balle, les gars. Gavi, deuxième fois qu'il se fait pousser, hein, les gars. Mais il se fait dégager, mais sévère, les gars, à chaque fois. Avec Piqué, Marcos Alonso, le buteur. Allez, Fat pour le Victoria. C'est vrai quand même que les Marseillais jouent bien pour l'instant, les gars. C'est ceux qui dominent. Hein. Voilà, attention à la passe de Iñaki Peña. J'ai déjà Marc-André Ter Stegen, mais c'est vrai que c'est Iñaki Peña aujourd'hui. Oh, bien joué ça. Oui. But de qui? Pour le Barça, c'est but de Marcos Alonso, frérot. 3, viva l'Algérie. Attention avec Pablo Torre. La surface pour Ansu Fati. Ansu Fati en retrait pour Kessié. Allez, ça fait tourner côté Barcelone. On était dans une bonne situation. Qui a marqué, bon, du coup, ouais, comme je t'ai dit, c'est 0-0 pour le côté de l'OM et 1-0 pour le Barça. Et but de Marcos Alonso. Bin, tu n'arrives pas à trouver le match du Barça? Non, c'est parce que tu es plus. Parce que c'est plus important. Bin, tu n'arrives pas. Si, là, je regarde sur Liga de Campeones par Movistar, une chaîne espagnole sur IPTV. Y a un truc qui vole, je peux pas vous dire si c'est une. Je sais pas, je peux même pas vous dire si c'est une mouche ou si c'est un moustique. C'est bizarre, c'est une mouche qui fait pas de bruit. Ah, merci, pas de soucis. Comme Naples-Liverpool, ouais, mais après, c'est des gros chocs, mais il n'y a pas d'enjeu. C'est comme l'Inter contre le Bayern, quoi. On sait que c'est le Bayern et l'Inter qui. Voilà, quoi. Y a plus aucun suspense maintenant. C'est fini le suspense. J'arrive pas à me dire, les gars, que d'ici 2 semaines, il y a la Coupe du Monde quand même. J'arrive pas à y croire. C'est grave quand même.
pendant un mois, plus de foot du Barça et tout. Et là, je vais être dans une merde, les gars, mais laisse tomber. Pour trouver des vidéos à faire. Ouais, c'est ça, bah oui, c'est des matchs, c'est des gros chocs. Ben, c'est comme cet été quand on regardait par exemple à New York ou à Las Vegas là, les matchs Barcelone contre Juventus ou Barça Real Madrid, tu vois, il n'y a pas d'enjeu quoi, c'est un match amical quoi, c'est pareil. Estos partidos son con que gana el Barça los que no bailan para nada. No comprendo. No habrá español, habrá francés. Espagnol, non. Go liker, ouais, n'hésitez pas à liker les gars, parce que je sais même pas combien vous êtes, les gars d'ailleurs. Vous êtes 97, mais ouais, je vous êtes des zinzin. Ouais, je vous êtes des zinzin, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Putain, mais wesh, en ce moment, il y a énormément de monde sur les lives, je comprends pas comment ça se fait, mais ça fait trop plaisir, merci à vous, les gars. Hop, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de mettre la monétisation. 126 spectateurs, les gars, arrêtez, vous êtes en train de me tuer là. Ça se voit, vous voulez que je me suicide devant vous? Ah oui, si j'active pas la motivation, je vais rien toucher là, les gars. Faut que je touche bien quelque chose, non? Attendez, les gars, vite fait. Merci en tout cas à tous ceux qui sont présents sur le live, les gars. Vous faites trop des cracks, vous êtes des cracks, les gars. Je crois que je me suis fait piquer par le moustique en question. Oh, attention à la frappe de l'OM et l'arrêt du Hugo Lloris. Et attention, hein, parce que ça joue. Hein. Attendez, je vais remettre Golaïque. On est beaucoup ici en vrai. Ouais, j'avoue que. Eh non, mais ça fait depuis. Ça fait quoi? Ça fait depuis le dernier live, les gars. Vous êtes beaucoup sur le live, je trouve. Ça fait trop plaisir. Merci à vous, les gars. Gros bisous avec corner pour Alexis Sanchez. Dommage. Montre-nous le match. Mais je peux pas montrer le match, sinon je me fais ban, frérot. Donc bon, sur YouTube tu trouveras jamais quelqu'un qui te montrera le match. À part s'il veut que sa chaîne soit supprimée, mais sinon personne te montre les matchs sur YouTube. Impossible. Impossible. Personne ne peut te montrer le match. Tu supportes Marseille? Ouais, j'aime bien Marseille. Bah après parce que je viens du sud, tu vois. Donc forcément tu me dis Paris ou l'OM, je te dis l'OM. Mais c'est parce qu'en fait c'est un gros match, l'OM. Tu regardes où du coup? Ben là il y a un match que je regarde sur Twitter, c'est celui de l'OM. Là sur cet écran. Et le deuxième écran je regarde Barcelone Victoria. Sur l'IPTV par contre. Barcelone. Moi je veux voir l'équipe d'Argentine, c'est du lourd. Oh ben c'est pas maintenant ça, c'est ça à la Coupe du Monde. Mais je pense que ouais, tout ce qui est, comment ça s'appelle, tout ce qui est... la barre du Victoria! On a failli se prendre un but, les gars. On a failli se prendre un but, les gars. Oh putain, j'en ai marre, je le vois. Je vois le truc qui vole à côté de moi, je vais les tuer. N'empêche, c'était bien joué quand même, hein, le contre des Tchèques. C'était bien joué. Mais c'est vrai quoi, que pour rebondir à ce que tu avais dit, quand il y aura comme par exemple la Coupe du Monde, c'est quoi ça?
Mais ouais, c'est pas une mouche, c'est trop gros pour être mouche. Je vais la tuer. La vie, si je la tue pas avant que j'aille au lit, je suis la plus grosse pute de Perpignan. C'est bon, les gars? Bon, il faut que je la tue, cette bête. C'est pas une bête, c'est un monstre. Moi, je regarde 4 matchs, là. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. 4 matchs, ça fait beaucoup. Déjà que moi, 2, je galère à alterner. Donc là, je te mens pas que là... Iñaki Pena. Bon, pour l'instant, il a rien de mieux à faire, hein, notre ami Pena. Bon, il y a le lien, comment ça s'appelle? Il y a le lien. Il y a le lien de l'OM qui a expiré. Donc bizarre. Bizarre, bizarre cette histoire. Donc va falloir que... Ah, j'ai trouvé le lien du Barça, mais non. Hop. Oh, et j'ai peur de la bête, quoi. C'est grave, je suis vraiment une merde. Allez. Ou attention qu'elle parade du gardien pourtant Pedri ne frappe jamais. Moi je regarde 4 matchs. Salut à toi Mixtor, comment tu vas frérot? Tu vas bien ou quoi? Pourquoi Pedri ne frappe jamais? Je sais pas, mais Pedri il est pas titulaire dans cette rencontre, donc je peux pas te dire. Hector Bellery, le centre. Antofati, oh lolo, ça passe au-dessus. Antofati, il faut que tu marques là contre le Victoria. Et si tu marques pas contre le Victoria, je sais pas. Je sais pas quand est-ce que tu vas marquer sinon, mon grand. Donc, marque contre le Victoria un petit peu, s'il te plaît, en dessous. S'il te plaît. Putain, j'arrive pas à m'en refaire les gars. Chaque fois que Iñaki Pena il touche le ballon, j'ai trop envie de dire Marc-André Ter Stegen, alors que c'est pas Marc-André Ter Stegen, putain. Dire qu'on va pas voir les matchs de Barça en Europa League. Hein, pourquoi? Pourquoi tu dis ça, Florent? Et dire qu'on va pas voir les matchs du Barça en Europa League, pourquoi? Ce qui est bien l'année dernière, c'est que t'avais quoi? T'avais, je crois, il y avait 2 matchs où t'étais passé à la télé en clair gratuitement là. C'était sur RMC Story, je m'en souviens. Une histoire, il faut changer de décor, hein. Attends, j'ai pas compris pourquoi tu dis ça, une histoire, attention, oh là, ouais, et bon. Ah si, c'est... Ah là, je vais la voir. C'est une mouche en fait. Mamma mia, elle est passée à ça, j'ai dû lui frôler les fesses. Ah, y a pas de... J'ai pas de... Ah, je vais en trouver un de... Chut. Moi j'ai pas la chaîne normale. Mais déjà, il faut voir, attends. Là, c'est la dernière journée aujourd'hui de Ligue des Champions, donc il faut que je regarde. Faut que je regarde. Ouais, tirage au sort. Normalement, ça devrait être ce vendredi qui arrive. Normalement, ça devrait être ce vendredi, non? Mmh.
Les 8 vainqueurs de Go. Attends, ouais, mais attends. Bah, je sais pas en fait quand est-ce c'est. Quand est-ce qu'on sera le. Normalement, ça devrait être le vendredi. C'est toujours le vendredi après la dernière phase. Je sais pas. Les gars, vous savez quand est-ce que c'est le tirage des 8e? Attends, j'ai peut-être trouvé. On dirait le. Le tirage au sort des 8e de finale de l'UFA. Et tu faisais en direct en streaming le 24 février à 13h? Non. Le 24 février? Mais wesh! Mais pourquoi le 24 février? Il se déroule à la maison du football européen à Nyon en Suisse. Ah ouais, non mais c'est grave. Le 24 février, le tirage au sort. J'ai déjà toi, football compagnon. Vas-y, je vais manger, je reviens, pas de soucis. Mais wesh, le 24 février, je suis choqué. Genre là, on sait pas qui c'est contre qui on va jouer. Oh, vas-y, c'est chiant ça. Le 24, mais c'est énorme quand même le 24, c'est dans longtemps. Normalement, le 24, c'est la date où ça se joue normalement, les 8e. Bizarre cette histoire. Hein. Il s'est passé quoi les gars? Parce que je peux plus voir le match de l'OM. Là je vais mettre l'IPTV. On va mettre RMC Sport là. Parce que à ce pari, il y a eu un choc là, non? Ah je vais la voir. Oh je vais la voir. C'est sur mon écran. Elle est grosse là. Voilà. Mmh, elle a de la chatte cette mouche. Attendez, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe là. Parce que c'est pari, il y a Edmundson. Il est. Il prend un KO. Ce qui. J'ai envie de voir. Et je veux voir quelle est l'ampleur de ce chaos qui s'est. Bah oui, chatin, il. Ah merde, il est déjà sorti, merde. Tant pis. Regarde sur Live Cora hein, au pire. Non, c'est bon, t'inquiète, je vais regarder. Merde. Oh, attention! Lolo, quel parade, Gignac Ipena! Tu peux avoir l'image? Je peux pas montrer l'image. Hein? Mais n'importe quoi, jamais de la vie, c'est jamais jusqu'en août. Mais les gars, vous me prenez pour quoi? Finale août. Finale août. Finale LDC 2023. Non, la finale se déroulera le 10 juin 2023, les gars. Oh, quelle parade. Eh, hey, mais Iñaki Peña, les gars, il est trop fort, ce mec. Il est trop chaud, Iñaki Peña. Non, c'est pas vendredi, Arnaud. C'est le 24 février. Eh hey, mais Iñaki Peña il est trop chaud en vrai. Mais non l'humour hein, tu m'as fait peur. Bon remarque on s'en fout on n'y est pas nous donc bon. Et touche pour le Victoria. Ah putain, mais oui, l'OM, il faut qu'il gagne impérativement pour être qualifié.
Putain, c'est vrai, il vient juste de le dire maintenant sur RMC Sport. C'est vrai que là, virtuellement, ils sont éliminés, l'OM. Putain, c'est vrai, mais en fait, là, mais t'es au stade, tu stresses ta race, en fait. Imagine, Tottenham, il marque, les gars. C'est grave, hein? Bon, allez, imagine, j'aurais été dans le stade et Tottenham, il marque, bah, putain. Ah, la récupération du Barça avec Franck Essier. Franck Essier pour Jordi Alba. Jordi Alba, le centre. Oh, Ansu Fati, qu'est-ce qu'il loupe? Dire qu'on joue face à une équipe de rugby. J'avoue que gagner que 1-0, limite, c'est une défaite pour nous. Mais quelle occasion et quel magnifique centre fort de Jordi Alba. Aïe. Ah, il aurait dû y aller, je pense. Ouais, il était trop court en fait, il était trop court. Hein. C'est dommage parce que c'était bien joué quand même l'action. Oh la parade d'Hugo Loris! Choqué. Et quelle parade aussi d'Iñaki Peña en même temps. Mais wesh, quelle parade d'Hugo Loris. Ben je sais pas, Arnaud. Wesh. Putain, quelle parade d'Hugo Loris. Attention, Iñaki, j'ai peur. Allez, Iñaki Peña. Et attention, parce que le Victoria Splezen, ils se laissent pas faire là, les gars. Limite, ils nous, je vous jure, ils nous dominent. Ah, il a marqué Pavard. J'ai vu que le Barça serait intéressé par Pavard, les gars. Elle n'empêche qu'elle parade d'Hugo Loris face à Jordan Veretout, incroyable, n'empêche. Oula, attention avec Lucas Moura, l'ancien Parisien. Oh, ils ont failli se prendre un but, l'OM. Ah, c'est orange, ça va. Oh là là, mais Bellerin, il est trop nul. Bellerin, il est trop nul. Non, mais c'est grave d'être aussi nul comme Bellerin, les gars. Oh, mon Dieu. Jamais on signe Pavard, frère. Ouais, mais j'ai vu des séries rumeurs. J'ai vu comme quoi le Barça serait pas contre une arrivée de Pavard. Parce que le Barça, ils veulent un attaquant, un milieu et un latéral droit. Mais après, latéral droit, forcément, on veut tous le même. On veut tous Alexander Arnold, les gars. Moi, les gars, écoutez ce que je vais vous dire, d'accord, les gars, par rapport à l'OM. Je pense que Dimitri Payet, il va rentrer, il va tout changer. Dimitri Payet, il va marquer un but, je sais pas. Tu vois, je sens que Payet, c'est son match là aujourd'hui. Je pense que c'est son match aujourd'hui à Payet. Bellerin, il y a même ballon dans son dos, ça se voit qu'il joue pas au foot.
Il y a même Belle dans son nom. Belle. Ça se voit. Ah, quel enfoiré celui-là. Là là là. Il est chaud, Hugo Loris. Il est très 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 chaud. Très 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 même chaud. C'est vrai qu'il a sorti une parade, laisse tomber, Hugo. Allez, coup franc pour le Barça, les gars. Là, maintenant, les gars, je vous mens pas, je kiffe. Franchement, je kiffe. Parce qu'en fait, j'ai le match du Barça et le match de l'OM. Parce que si le Barça, tu vois, il joue comme des merdes, je peux regarder l'OM. Et si c'est l'inverse, je regarde le Barça. Et franchement, c'est cool, c'est mieux. Donc, désolé tout à l'heure pour la prise de nerf. Attention avec Arcane. Et corner pour Tottenham, tandis qu'il y a coup franc pour le Barça. Avec une comment ça s'appelle? Il est dommage, le centre de Jordi Alba. D'ailleurs, qui tu vas supporter pendant la Coupe du Monde? Ben, il y a trois nations que je supporte. Ben, il y a forcément la France, les gars. Il y a l'Espagne et il y a l'Argentine. Donc à mon avis, bon, tout ce qui est France et tout, je les regarderai avec mes parents comme d'habitude. Attention, il y a un compte pour Victoria Non, lolo, qu'est-ce qu'il loupe, mais ils nous ont fait l'amour. Bellerin, et je sais plus qui c'est. Le mec, il nous a fait deux feintes, ils sont tous partis à Perpète-les-Bains. Attendez, je vais revoir. Je vais voir qui c'est qui... Ah non, il y avait hors-jeu de toute façon, il y avait hors-jeu. Mais c'était bien joué. Hein. Là, il y a Bellerin et Piqué. Mais Bellerin et Piqué, les deux, bam. Du coup, comme je disais juste avant qu'il y ait la frappe, pour les matchs d'équipe de France, comme d'habitude, je regarderai avec ma famille. Voilà, la maison tranquille, chill. Et tout ce qui est Espagne et comment ça s'appelle? Et Argentine et tout, on le fera ici en live. Mais moi, je veux avant tout prendre quand même prendre un petit peu de plaisir quand même. Donc, j'espère que il y aura des bons souvenirs dans cette Coupe du Monde, même si ça s'annonce pas très ouf, mais bon. On va essayer en tout cas de se régaler. Ton équipe de la Coupe du Monde, mon équipe préférée. Mais en vrai, mes deux équipes préférées, j'ai soit la France, soit l'Argentine. Je veux que Messi gagne. Je veux que l'Argentine gagne la Coupe du Monde pour Messi. Et après, pourquoi pas aussi voir pourquoi pas Ansu Fati aussi soulever une Coupe du Monde, ça peut être pas mal. Allez-y, pour l'honneur. De quoi? Par rapport à quoi? Par rapport au match de l'OM ou le match du Barça? Attention avec Gavi, il y a un compte pour le FC Barcelone avec Ansu Fati. Ansu Fati pour Rafinha. Rafinha pour Ferran Torres. Ferran Torres, la frappe pour qu'il passe dessus. Oh, happy comme. Oh, happy 1. C'est un compte bien joué quand même pour le Barça. Mais bon, après, la frappe catastrophique hein, de notre ami Ferran Tocar Torres. J'espère que le Barça il va se relever la saison prochaine. Et les gars, je comprends pas. Pour vous, vous croyez que le Barça s'est écrasé ou quoi, les gars? Et on a juste été éliminé de la Ligue des Champions. Bon, oui, c'est triste, mais on n'est pas mort. Justement, en Liga, on fait le meilleur début de saison des 5 dernières années en Liga. Et d'ailleurs, la dernière fois que le Barça avait commencé comme ça la Liga, eh bien, il avait gagné. La Copa del Rey, bon, on l'a pas joué encore. Et on a la Super Coupe aussi, la demi-finale contre le Betis Séville en janvier, les gars. Donc pour l'instant, moi je peux pas parler d'une saison ratée, puisque ça n'est pas fini encore la saison, les gars. On va se relever même maintenant, les gars. La Liga, il faut aller la chercher. L'Europa League, il faut aller la chercher. Regardez, imaginez, on prend l'Europa League et après on peut jouer une Super Coupe UEFA. Ça peut être pas mal. Ça fait des trophées en plus, les gars. Moi, franchement, pour cette saison, je suis serein. Je suis serein de ouf, hein, pour cette saison. C'est une grosse saison pour moi, pour nous cette année. Même si la Ligue des Champions, c'est vrai. Et même, tu me diras,
Ligue des Champions, ok, mais je préfère jouer une Europa League. Et pourquoi pas la gagner que être en Ligue des Champions et se faire éliminer dès les huitièmes par, je sais pas, bon, parce qu'on aurait été deuxième, on serait tapé tous les premiers, tu vois, t'imagines? Argentine, Espagne, Angleterre, Brésil. Toi, tu veux toute la Coupe du Monde. En fait, c'est qui le mec qui, là, qui vient toujours, il nous écrit un site pour voir les matchs? Je sais pas, mais il faut le garder parce que pour le référencement, ça fait toujours. ça fait un petit peu en plus, quoi. Même ceux qui veulent m'insulter, insultez-moi, les gars. Moi, ça me fait des revenus en plus. Il n'y a plus de référencement. Allez, attention. Jordi Alba. Il y a corner pour l'OM, d'ailleurs. Oh là 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 là, ça passe au-dessus. Gigot. Gigot, 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 les. French League, yes. Gérard Piqué, Bellerin. Eh, je kiffe Eric Dzemico, comme il est trois fois sur le match de l'OM, ça me fait trop rire. Oh, bien joué ça! Et le but de Ferran Torres, les gars! Ah non, hors-jeu. Hors-jeu, 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 pas but de Ferran Torres. Non, moi je vois, je sais pas, non, moi je verrais peut-être l'Argentine gagner la Coupe du Monde. Ah, il est pas hors-jeu, Ferran Torres. Est-ce que le but il va être validé? Normalement, oui. Et n'empêche, l'OM il mange Tottenham. Hein. Tottenham ils se font manger par l'OM. French League, Ligue 1, Ligue des paysans. Ok. Est-ce que le but va être validé ou pas pour le Barça? Normalement, le but il devrait être accordé, ouais, dans la logique. Allez, le but il a été accordé, les gars, vamos! C'est bon, Ferran Torres qui marque, tant mieux. Tu le vois que comme s'appelle Ansu Fati? Quand il célèbre, il a un petit nerf, tu vois. Tu le vois que genre, je sais pas, il a envie de marquer son but. Il est content, mais sans trop non plus être content. Hein. Tu vois, genre. Il est content, mais pas trop, parce que lui aussi il veut briller. J'assure, j'aimerais trop voir Ansu Fati marquer pour voir un petit peu la réaction. Genre la différence entre le Ansu Fati qui marque et le Ansu Fati quand tu vois ses collègues marquer. Ça va être trop drôle. Bah, ils sont déjà éliminés, ils sont déjà qualifiés, quoi, donc ça sert à rien. Ben Dylan, quand tu joues la Ligue des Champions toute ta vie et après tu joues la Ligue Europa des saisons, moi je dis oh, Marson, faut que je te parle. Oui, non, oui, j'ai compris. Mais bon. Tu peux pas parler d'une saison ratée tant que la saison n'a pas fini, quoi. Attendez la fin de la saison pour juger une saison, non? Il y a plein de rebondissements, une saison, regardez la saison dernière. À partir de janvier, on s'est réveillé et ça a été une grosse saison après. Donc ça veut strictement rien dire. Faut laisser la saison se faire. But accordé à qui? À Ferran Torres. C'est la mi-temps, les gars, pour le Barça. La mi-temps du côté du Barça, les gars. Donc, je vais vous mettre tout simplement le quiz, les gars, comme d'habitude.
But pour Marseille, Bemba. Ah ouais? Non. Non, il n'y a pas de but, les gars. Ah mais oui, je suis con, je regarde sur l'IPTV, donc en vrai, ouais, il y a peut-être moyen. Arrêtez de spoil, les gars, s'il vous plaît. Dire qu'il y avait des joueurs, Xavi, Iniesta, Puyol, Eto'o, Ronaldinho. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bon, du coup, les gars, tenez. Qui est ce joueur caché, les gars? Qui est ce joueur caché, les gars? N'hésitez pas à jouer. N'empêche, c'est beau quand même, hein, le vélodrome. Pour moi, les gars, il y a le Camp Nou. Juste après le Camp Nou, t'as le vélodrome. En Europe. Bon, les gars, qui est ce joueur caché, les gars? N'hésitez pas à jouer. Samuel Eto'o, bonne réponse, frérot. Ouais. C'est bel et bien Samuel Eto'o. Qui est ce joueur, les gars? Non, c'était pas Drogba, Narco. My channel welcome. Shut up, home goal. Ta maman le fuck. C'est un club, je sais même pas, même moi, je sais pas. Mais le but, c'est que je vous aide pas, les gars. Donc bon, je vais pas vous dire non plus. Vous croyez que je vais vous dire ou quoi, les gars? Non, n'empêche les gars, ah, il faut s'avouer les gars, il faut avouer un truc. L'OM c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Le vélodrome c'est incroyable comme ambiance. Hein. On fait pas de pub ici, ouais, ça dégage les pubs. Home goal. Home girl, your mother is a... Beep. Ça joue bien quand même l'OM, hein, c'est pas mal, hein, c'est aujourd'hui le match qu'ils font, pas mal. Hein. Pas mal du tout, bon du coup il n'y a personne qui le trouve ou quoi le joueur? Dembemba, non c'est pas Dembemba le joueur caché. C'est incroyable quand même l'ambiance, je suis jaloux de l'ambiance. Bah oui, c'est Dembélé qui a marqué les gars.
Eh wesh, y a Benjamin Pavard, il a marqué. Il a marqué un but, il a fait un dab. Un dab. Wesh. Eh, y a Corona dans les dernières minutes, les gars. Paulinho, non. Allez, c'est fini pour le match de l'OM. Donc du coup les gars, n'hésitez pas à vous à jouer. Donc du coup les gars, pour comme ça s'appelle, pour donner un petit indice les gars, concernant le joueur qui est caché, c'est un joueur qui a joué au milieu de terrain. Après, comme vous pouvez le voir, sur le bras, il est de couleur noire. Ah, c'est ce que j'entends, ouais, depuis tout à l'heure le documentaire. Ah ouais, putain, ça a l'air pas mal, ouais. Ouais, donc du coup, comme vous pouvez le voir, ouais, c'est un joueur. D'ailleurs, en plus, je crois que j'ai même pas fait exprès, les gars. Vous allez me dire, ouais, t'as fait exprès. Mais tous les quiz, je sais même pas comment ça se fait. C'est tous des joueurs de couleur noire. Eh, mais même quand tu vois ces images, tu reconnais un petit peu la gestuelle de Pedri un peu. Bon les gars, je me prends une pomme. Bah, fais-toi plaisir frérot. Prends-toi une pomme. Fais-toi plaisir mec. Prends-toi une pomme quoi. Bon du coup, vous trouvez pas ou quoi les gars? C'est un joueur qui a joué milieu de terrain. Je vous ai donné, je vous ai... Il a joué au milieu de terrain à... Bon, à bon, qu'est-ce que je dis? À Barcelone. Quand il a joué, comment ça s'appelle, au milieu. Ah, mais ouais, mais si je vais dire cet indice, vous allez le trouver direct. Oh, les gars, vous devez trouver normalement. Normalement, vous devrez trouver facilement. Je pense, quand même. Oh. Les gars, s'il vous plaît. C'est quoi le mec que je connais pas? Il s'appelle Je connais pas. What the fuck? Qu'est-ce que t'es en train de me dire, toi? C'est quoi. Qu'est-ce que tu veux me dire, là, par là? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Oui. De la Fuente, non. La Fuente, il me semble qu'il est pas noir, qu'il est tout simplement métis. Donc non, pas Conrad de la Fuente. D'ailleurs, c'est un milieu de terrain, je vous disais. C'est un milieu de terrain, mais vraiment à l'ancienne, les gars. Mais vraiment à l'ancienne. À l'ancienne, à l'ancienne. Moi, j'abandonne. Mais Fatih, comment il est nul! Eh oh, ne critiquez pas le jeune prince. Le jeune prince. Ne le critiquez pas. C'est un craquito. Ghetto, c'est ghetto. Ne critiquez pas le meilleur jeune joueur du monde.
Et n'empêche, sur Instagram, j'allais dire, sur Twitter, les gars, comment ça parle trop de l'OM. Tous les, comment ça s'appelle, tous les twittos, les twittos, pardon, Keita. Non, on n'est pas loin, Arnaud. Tous les, comment ça s'appelle, tous les supporters du Barça qui font généralement des tweets sur le Barça, ils parlent que de l'OM. Ça pue le football, meilleur défenseur Mbemba, tout et tout. Franchement, ça parle que de l'OM. Mais c'est vrai que c'est, j'avoue, Samuel Umtiti, non. C'est un milieu de terrain, les gars. Après, j'avoue qu'il y a beaucoup de. J'avoue quand même de personnes, vous en jaillez un petit peu trop. C'est cool que l'OM gagne. Ouais, c'est bien. Mais les gars, je vous rappelle que un match, c'est 90 minutes, pas 45 minutes. D'accord? Je vous rappelle que si Tottenham marque ne serait-ce que un seul but, vous êtes éliminé. Donc, les Marseillais, vous avez fait une super première mi-temps. J'avoue, bravo. Bravo, bravo. Franchement, incroyable la première mi-temps. Mais il faudrait pas non plus louper un deuxième, quoi, les gars. C'est tout. Je dis ça pour les Marseillais, les gars. J'ai peur que vous preniez trop un petit peu la confiance et que un petit Harry Kane il frappe de loin et qui vous met un but. Non, pas Malcolm, les gars. Les gars, décidément, en ce moment, vous trouvez pas trop hein, les joueurs que je vous mets, même si j'avoue que c'est des calls que je vous pose. Il faut les trouver, les gars. J'avoue, je vais vous dire la vérité, les gars. J'aurais été à votre place, j'aurais pas du tout trouvé directement, les gars, parce que même moi, voilà quoi. Je savais pas qu'il avait joué dans le club que vous voyez actuellement. Sur l'image avec l'emoji, donc c'est quand même un très grand milieu de terrain, les gars. Quand même, très très très, et pour moi, c'est même une légende du football. Voilà, c'est une légende du football, milieu de terrain qui a joué à Barcelone. Qui a joué à Barcelone, vous étiez né quand il a joué à Barcelone, les gars. Voilà, là, je vous ai dit un indice de ouf. Vous étiez né, tout le monde, les gars. Si vous avez 14 ans à peu près, même plus, vous l'avez vu jouer dans votre vie, c'est sûr et certain. Et vous ne pouvez pas nier le fait que c'est une légende du football. Donc, j'entends cette mouche encore, je vais la tuer. Eh oui, cette mouche. Zabé la mouche. Ah, je la vois, mais après, je vais mettre une bombe si elle ne meurt pas. Compagnie, non. Yaya Touré, magnifique. GG à toi, oui, c'est bel et bien Yaya Touré. J'applaudis, franchement. J'applaudis, c'est incroyable. Il a trouvé, oui, c'était Yaya Touré. Je suis obligé de me taper, les gars, pour que la mouche dégage de moi. Yaya Touré, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bonne réponse à vous, les gars. Qui est ce joueur? Là, c'est facile, les gars. Ça, c'est niveau très, très, très facile. Le joueur que vous voyez là actuellement. Eh oui, les gars. Eh oui. Bien joué, alléluia, enfin. Bon, lui, c'est normalement au niveau très facile. Je pense que vous allez le trouver. Allez. Ah, ça aurait pu être Alexander Song. C'est vrai. Gelson Fernandez, non. Non, 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 non. Grimaldo, non. Rui Costa, non. Les gars, vous pouvez le voir, il a joué au Barça, les gars. Je sais pas si vous voyez le logo à côté de lui. Donc, non, ce n'est pas Grimaldo. Gelson Fernandez, non, ce n'est pas lui, les gars. Salut à tous, salut à toi Cyril, comment tu vas, frérot? Tu vas bien? Bien ou bien?
gars, le match il a repris, les gars. Ça a repris, les gars, le match du Barça. Putain, mais c'est passé trop vite. Ça a repris, mais je suis choqué. Genre, ça a repris. Bon, les gars, on verra pour le prochain live. Eh, la mouche, je vais. Attendez, les gars, je reviens, je vais la tuer. Je reviens. Je suis à deux doigts de péter les plombs avec cette mouche. Attendez, j'ai trouvé la solution, les gars. Alors, c'est pas la meilleure solution, mais je vais mettre du déo. Le déo, j'espère que ça va être assez fort pour la mouche pour qu'elle ne respire plus avec son nez et qu'elle s'étouffe et qu'elle meure pendant qu'elle vole. Genre, je vais l'asphyxier de déodorant. Voilà comment ça va se passer. Voici la procédure de départ. J'espère que vous kiffez un petit peu ma technique. Allez, le match il a repris les reftons. Donc attendez. Bien mon gars, salut à tout le monde, comment ça va? Bien toi? Attendez. Moussa Wagé, non, bien. Partage ton écran, mec. Pourquoi il y a Bout qui spam? Je sais pas. Sultan, on connaît Marseille, après ils vont baisser et perdre. Non, bon, quand même pas, les gars. J'espère pas qu'ils vont perdre, mais ça serait con quand même. Cyril, ça va bien? Là, je fais mon anniversaire. Mais bon anniversaire à toi, faut savoir ça, frérot. Bon anniversaire à toi. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, les gars. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus des familles qui fait plaisir, les gars. Et que j'en là-bas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les refs. D'ailleurs, attendez, il faut que je charge mon téléphone. Donc, ce que je vais faire. Attendez, je vais chercher mon chargeur, les gars, vite fait. J'ai dit à la mairie, je lui dis non, non, non. Connu par l'application. Joyeux anniversaire, ouais. Joyeux anniversaire, frérot. Qui a marqué notre deuxième but? C'est Ferran Torres. Et j'ai envie de faire un truc, je vais tester un truc. Parce qu'il faut que je fasse deux lives de 25 minutes, les gars, pour réactiver. Oula, but pour le Victoria, frère. On va quitter la France, man, the cheerleader. Attendez, il n'y a pas moyen de couper le son quand on fait un live ou pas? Non, quoique non, je le ferai peut-être après le live TikTok. Diane, n'oublie pas de mettre la bande du Barça quand il y a but. Ah putain, c'est vrai, ouais, faut que je le mette. On verra ça plus tard. Allez, attention, il va y avoir... Merde! Vous aussi, vous l'avez pas dit. Allez, penalty pour
Oh, le Barça prend des buts face à eux. Ouais, ben il y a le Bayern, ils s'en ont pris. Ils s'en sont en pris deux contre eux. Ah là, il doit avoir la pression, notre ami Iñaki Peña. Premier match de Ligue des Champions, est-ce qu'il va arrêter un penalty ou pas? Aïe 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 aïe. Allez, sois pas stressé, mon grand. Allez, 2-1, les gars. J'étais en train de regarder l'OM. Ouais, mais ça va reprendre à l'OM bientôt. Je sais même pas, ça a repris, non? Peut-être même. Mais ça va reprendre. Je sais pas si ça a repris encore l'OM. Dites-moi, les gars, si ça a repris l'OM. Je crois pas. Hein. Ok, non, c'est encore la mi-temps. Ouais. C'est bon, le match il va reprendre, les gars, pour le match du Victoria. Le match, pardon, de l'OM. Oui, ça vient de reprendre. Ouais, c'est bon. Grosse tête de Mbemba qui régale. Exactement. Et la reprise pour le match de l'OM. Ah là là, quand même, de dire que l'OM sont qualifiés en 8ème et pas le Barça, quand même, c'est aberrant. What? Grosse tête de Mbemba, c'était rapide, tant mieux, j'ai envie de suivre Legacy. Sur quelle chaîne OM Tottenham? C'est sur RMC Sport 1. Oh là là, bien joué le Barça. Et le but! Ferran Torres, les gars. Le 3-1, vamos. Les gars. But de Ferran Torres. Le doublé de Ferran Torres. Mais wesh, il y a des supporters du Barça en République tchèque, putain. Ils sont motivés, hein. Partir en République tchèque. Allez, deuxième but de Ferran Torres dans cette rencontre. Le troisième en Ligue des Champions, les gars. Et la petite passe D d'ailleurs de Rafinha. Manquerait plus que Ansu Fati soit aussi décisif dans cette rencontre. Et on sera plutôt pas mal. Attention pour l'OM. Attention. 3 buts en 5 matchs pour Ferran Torres, ce qui est pas dégueulasse, je trouve. Les rugbyman morte, hein? Mistoire, un autre but du Barça. Oui, Dylan, ça a repris. Ah non, oui, c'est bon, je regarde les deux matchs, vous inquiétez pas. Oh là 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 là, mais quelle mauvaise passe. Mais me tarde vivement de retrouver Araujo quand même. La frappe. Viser la lune, ça me fait pas peur. Un sacrifice, j'en fais encore et encore. Quelle frappe du Victoria Splzen, les gars, là en République tchèque, il y a un crash d'avion et tout. Là, il a touché un avion, il a touché Thomas Pesquet et tout, il a assommé. Naples 1-0 pour Naples, je crois. Ils sont chauds, Naples. Naples, ils sont très 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 chauds. Qu'est-ce qui n'est pas naturel là? Ansu Fati ne marque pas et c'est porte ouverte pour les buts. Bah ouais, il peut se faire largement plaisir.
Et après, il y a la famille de. Comment s'appelle? Il y a la famille d'Ansu Fati qui râle parce qu'il joue pas assez. Mais frère, t'arrives même pas à marquer contre le Victoria Plzeň. Tu t'attends à quoi? À marquer un triplé face. Face à qui? Face à Séville aussi? Ou face au Real? Montre. Il faut qu'il prouve. Là, c'est un match où il doit gagner des points là. Ah, Alejandro Balde qui rentre, les gars. Alejandro Balde qui rentre. NDR, Dylan. Ah ouais, mais il y a le jeu. Oh, attention! Oh là 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 là, ils ont fait se prendre un but de l'OM. Hein. Harry Kane. Harry Kane. Qu'est-ce qu'il est gay, je sais pas, il se fait bouger comme jamais face à l'OM. C'est très, très bizarre de revoir sa tête parce qu'en fait, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 26 ans, 27 ans. Ça fait 27 ans, il a toujours la même tête. Je te jure. Même quand il avait 15 ans, il avait cette tête. Alexis Sanchez qui perd la balle avec Emerson Royal. Franchement les gars, je trouve que c'est dommage pour Emerson Royal parce que je pense qu'il aurait pu être intéressant avec le Barça. Hey, il... c'était rapide, bonjour, et après deux jours après il est parti le pauvre. Le pauvre en plus, il... dès qu'il était arrivé, il était revenu du Barça et tout. En prêt du Betis, il a été comment s'appelle. Il avait fait un message, il était tout content, heureux de jouer au Barça, meilleur club du monde et tout. Et deux jours après, très heureux de rejoindre Tottenham. Ah ouais, mais franchement, c'était pas bien, hein, le pauvre. Je pense qu'il aurait pu être intéressant, parce que là, Hector Bellerin, les gars, excusez-moi, mais c'est une grosse gueule, ce mec. Il est plus fort pour faire la fashion, truc et tout, là, pour s'habiller que pour jouer au football. Il est trop fort, il est plus fort en coiffure qu'au foot. De voir le Barça prendre un but. De quoi tu, De quoi le Barça va prendre un but? Porte pas la guigne comme ça, toi. Mixtor, je suis d'accord, Naples meilleur. Bah, la famille de Fati, il faut trop de bruit pour eux, pas grand chose. C'est leur fils qui n'a pas la confiance, ouais. Oh là là, oh pardon, Hector Bellerin. Oh là là là, Hector Bellerin, il a fait une percée. Je m'excuse pour le fashion, pour la coiffure et tout. Heureusement que Lopez la touche, ouais, j'avais vu ça, ouais. T'as vu, Harry Kane, il allait suivre, hein. Attention parce que Tottenham ils sont mieux rentrés que l'OM hein, dans cette deuxième période. De toute façon les gars, dites-vous un truc, c'est que quand je regarde là, pour regarder le match de l'OM, si je regarde là-bas c'est le match du Barça les gars. Donc du coup les gars, c'est peut-être pour ça que vous me voyez droite-gauche. Et là-bas tout au fond c'est là où il y a le chat, c'est pour ça que je regarde là-bas. Ah d'accord Arnaud, je comprends. Oula, Dimitri Bolet qui est rentré. Je crois qu'il va faire la différence, Payet. Oh, il est en train de m'enfader, lui, là. Watch Every, la putain de ta grand-mère. Attendez. Masquer l'utilisateur de cette chaîne. Et lui, il est banni à vie. Ah, il m'enfade. Balde, mon chouchou. T'as un chouchou, là. Ouais, de quoi il était débloqué. Bloquer le avis. Il a pas fait la coupe à Mickey qui? Bellerin. Que Gerard Pickau. Merci Omar. Franchement, Omar Da Francesca, il aurait pu tout simplement se taire, mais non. Il a dit c'est le match d'adieu du Barça en Ligue des Champions. Quel enfoiré aussi. On est en train de l'éclater, le pauvre. Attendez, les gars. C'est ça qui est chaud quand tu fais les deux matchs. Tu parles de quel match, Mixtor? Tu parles d'Ansu Fati? Avec Gavi. N'hésitez pas à vous abonner les gars s'il vous plaît, ça serait je sais même pas combien vous êtes sur live les gars, j'espère que vous êtes 50, ça serait pas mal 50, mais n'hésitez pas à vous abonner les gars s'il vous plaît.
Avec le centre de Perisic, la tête et le but. Oh là là. Clément Langlais. Clément Langlais qui marque. Je suis choqué. Je suis choqué, c'est Clément Langlais qui marque. Oh là 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 là. Clément Langlais qui a marqué. Oh là. Oh, oh là. On monte. Oh là là, ah, ça les a refroidis d'un coup les Marseillais. Clément Langlais qui marque, oh là là. Oh là là, Clément. J'avais bien dit pour Marseille. J'avais dit Dylan, ça va baisser après. Ah mais oui, mais de toute façon ça se voyait, la deuxième période c'est pas la même, hein. Ils se font manger l'OM en deuxième période. Oh là là les gars, franchement les Marseillais, je vous aime bien et tout, tu vois, moi j'aime bien Marseille, mais quand même les gars, vous pouvez prendre un but par tout le monde, même par Hugo Lloris, c'est pas choquant, mais se prendre un but par Clément Langlais, c'est plus que choquant. Je suis choqué. Moi honnêtement je suis choqué de ce que je viens juste de voir. Avec Gabi, la frappe. Et attention parce que les gars, Tottenham, ils sont en train de vous manger, les Marseillais qui sont sur le live. Attention. L'anglais. Oh les gars, franchement, vous auriez pu éviter ce but quand même, l'anglais quoi. Oh là là, but, but pour le Victoria les gars. Mais ouais, mais on est en train de vivre des matchs, laisse tomber. Même l'anglais, même pas top. Ah ouais, ça fout le seum, pas possible. Ah bah tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ah là, le but pour le Victoria Spelbrusen. Mais il t'a montré que les... à fond. Ah là là, les Marseillais, putain, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Je vais essayer de faire un live, comme ça s'appelle, là, comme ça, vite fait sur TikTok. Vite fait, les gars, parce que. Il faut que je fasse les 2 fois 25 minutes. Il n'y a pas Lewandowski. Ah bah oui, il n'y a pas Lewandowski. Y a pas moyen de... On peut pas baisser le son, genre. Entendre ta voix. J'ai pas envie d'entendre ma voix. Comment on fait pour couper le son? Bon, les gars, je suis obligé de live, les gars. Pour ceux qui me revoient sur TikTok, attendez, je vais vous montrer ma tête. Comment on fait déjà? Putain, ça fait longtemps que j'ai pas live sur TikTok. Comment on fait? Comment on fait? Améliorer, je crois, non? Retourner l'appareil photo. Si. Bon, les gars. Alors pour ceux qui sont là, je vais mettre là les gars, parce que je suis obligé de faire comment s'appelle un live de 25 minutes pour après live sur mon PC sur TikTok, et après j'ai envie de faire un live, sur PC après, donc c'est pour ça. Là je suis en train de regarder le match du Barça et de l'OM sur YouTube les gars, n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube les gars, sur TikTok,
même si je sais qu'il y a personne qui parle. Mixtor a négligé l'anglais. Ah bah oui les gars. Piqué dehors, sale fraude. Yo Lensky, ça va, comment tu vas frérot? Putain l'anglais, cette grosse a marqué 1-1 du coup. Vous êtes prêts un karma les Marseillais, c'est pas grave. Me suis jamais demandé si c'était un anglais l'anglais. Oh, Mixtor, t'aurais pu éviter cette blague quand même. Oh la frappe de loin, oh la frappe de loin. Attends, c'est qui? C'est Daminarit. Chute-toi là. Oh Lensky, calme-toi mon grand hein. Non mais oh. Toi t'es partout, toi t'es sur YouTube et t'es sur oula, Marc Casado qui rentre à la place de Franck Kessié pour le Barça les gars. Franck Kessié est blessé. Yo Khalil, comment tu vas? Les gars, je suis là, en fait les gars, je vous explique. Sur TikTok, comment ça s'appelle? Je fais un live. Et oui, le modo Discord est activé. Ah, toujours là. Du coup, les gars, je fais un live TikTok parce qu'il faut que je fasse 25 minutes un live pour après pouvoir live sur l'ordinateur. Et en fait, après le match de l'OM et du Barça, j'ai envie de faire un live sur mon ordinateur. Donc, du coup, t'as capté. C'est pour ça que je fais un live et après, je coupe et je refais un autre live de 25 minutes pour après, t'as capté, live sur l'ordinateur. C'est chiant, mais il faut le faire. Donc, autant le faire. Et voilà. Donc ok les gars, c'est pour ça que je fais un live. Donc si vous voulez quitter, quittez les gars. Ça c'est juste un live pour faire passer les minutes quoi. Non, il est quelle heure? Il est 22h24. Re-salut à toi Johan, comment tu vas frérot? Une nouvelle découverte scientifique, un gland peut marquer un but. Ah bah oui Mixtor. Frérot tu parles du Barça ouais c'est ça? Parce que ouais la défense c'est catastrophique hein, se prendre déjà deux buts. Ils ont déjà marqué deux buts contre, comme ça s'appelle, contre le Bayern. J'espère qu'on va pas se prendre un troisième but contre eux, parce que franchement, ce serait la première équipe à se prendre trois buts face à eux quand même. Mais bon, après, c'est l'équipe 2, les gars, quand même. Hein. C'est pas Jules Koundé, et voilà quoi. Il y a réellement 3-2 là, ouais. 3-2, ouais. Loguito, je vais allumer avec son 11. Il a mis Kessié titulaire car il le trouve bon. De quoi, Loguito, il a mis ça? Ouais, de quand est-ce qu'il a mis ça? Plus simple, débranche le câble. De quoi, quel câble tu parles, Arnaud? Piqué nul, ouais, très nul Piqué. Il y a Bellerin aussi qui est pas mal. Oh putain, je suis à 1% sur mon téléphone. Oh les gars, je vais jamais pouvoir faire les 25 minutes. Ah, je vais jamais pouvoir faire les 25 minutes de live, j'ai trop le mort. Allez, rentre au Baldé, attention. Moi, Denis, j'aimerais bien voir sa tête devant le match là. Ah, bah là, c'est vrai que. Wesh. Nuno Tavares sur le centre. Oh j'ai envie de pleurer sérieux, pourquoi? On pleurait. Allez Kitchen le téléphone, Kitchen au bout de 25 minutes s'il te plaît. Demain il y a quoi comme match? Bah il y a peut-être moyen que demain je fasse un match aussi et je regarderai un match et voilà. Ciao frérot. Oh là là, oh là 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 là. Harry Kane, il a failli vous mettre le. Loguito a mis ce 11 avec Kessié dans sa page YouTube. Et pour le câble, c'est l'anglais Mixtor. Les gars confirment forcément un jour.
Ah mais oui, parce qu'il a dit l'équipe. Non, for, quand Lugito il qu'on s'appelle il fait le 11 probable, c'est le 11 probable, c'est pas forcément l'équipe qu'il veut voir, c'est l'équipe qui va sans doute pour lui avoir. C'est pas pareil. Harry Kane a raté une occasion, ouais, très grosse occasion même. Hein. Allez, corner pour Tottenham. Attention. J'ai repiqué pour du côté du Barça, ça fait tourner à côté du Barça. Et le corner, attention, oh là 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 là. Attention, parce que dans les coups de pied arrêtés, l'OM ils y sont pas. Hein. C'est souvent un joueur de Tottenham qui gagne la tête. Hein. Et dites-vous les gars quand même que pour l'instant l'OM est éliminé. Donc attention. Vas-y, j'espère qu'il va tenir mon téléphone, s'il te plaît. Il n'y a pas moyen de voir combien de temps en live là. S'il te plaît, tiens mon téléphone, s'il te plaît. Ouf, il y a eu but hors jeu, les gars. Vous avez de la chatte. Hein. Bon, je regarde un petit peu les filtres qu'il y a. Je vais baisser un petit peu aussi la luminosité. Je vais baisser la luminosité. On attaque. Les gars! Pour ceux qui sont wesh, c'est quoi ce filtre? Bon, du coup, pour ceux qui sont présents sur TikTok, les gars, je suis en live sur YouTube, les gars. Et du coup, du coup, c'est pour ça. Donc voilà. Enzo le Catalan, du coup je suis en live sur YouTube là pour parler du match du Barça. Le Barça c'est pas fort du tout. Bah en même temps Fry, t'as pas l'équipe une. Hein. T'as pas de Lewandowski et tout et compagnie. Olivier a envoyé TikTok une gueule à Eni. C'est pas pour moi, ça c'est pas moi qui a gagné le cadeau. T'as dit quoi? Mbappé, t'es sérieux? Bah, il a raison, le Barça c'est pas du tout fort aujourd'hui. Quand tu vois que tu gagnes que 3-2 contre un club tchèque, excuse-moi. Bon, j'avoue, c'est l'équipe 2 qui joue du Barça, j'avoue, mais bon. Quand même. Je sais pas, la défense, ça fait des erreurs bêtes et tout. Pas ouf, hein. J'espère que contre chose. Ah oui, c'est pas l'équipe type, mais attends qu'il y aura Raoro et tout, vous verrez les gars, ça sera mille fois mieux. Mille fois mieux. Gendouzao. Ferran Torres avec Alejandro Balde. Jérémy de Gloire, salut à toi frérot. Pourtant, je suis pour eux. Hein. Ah, et le but pour le Barça, les gars. Pablo Touré. Ah, bah tiens, vamos, premier but pour lui. Vamos. Yeah, c'est bien ça. Premier but de Pablo Touré et qui s'est blessé d'ailleurs. Il s'est blessé, Pablo Touré, je crois. Ouais, but pour le Barça, les gars. Quel but, quand même, de Pablo Touré. Il est pas mal ce but. Hein. Et là, il est resté par terre, donc je sais pas pourquoi. Ouais, elle est là encore, la mouche, merde. C'était plus des crampes, je crois, pour Pablo Touré, les gars.
Elle est à la mouche. Allez, on met un petit peu de... Oh, ça pue fort là, mais là. J'espère que la mouche elle va mourir asphyxiée. Oula, attention parce que Pablo Torre il sort sous civière. Hein. Ah, il peut marcher, mais il prend quand même le camion là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, Pablo Torre. Il est blessé les gars. Alvaro Sainz qui rentre. Franchement c'est l'équipe B là qui joue. Voilà, Ousmane Dembélé aussi qui rentre les gars. Ouais, sa mère est algérienne. Ah, par rapport à Mbappé, oui. Un coup de claquette, il n'y a plus de mouche. Ah ouais, mais j'ai pas envie de sortir la claquette là pour taper la mouche. Je vais même pas réussir à la taper. Qu'est-ce que tu veux que je touche la mouche? Je vais tout casser au lieu de toucher la mouche. Allez, avec attention, Alejandro Balde. Narcy Bridou, c'est un poids, Fry. Je suis en live sur YouTube. Je vais pas accepter des gens. Je suis désolé, frérot. Il est pas là, Robert Lewandowski. Ils sont pas là. Ouais, mais il y a Dembouz qui rentre, les gars. C'est plutôt pas mal. Il aurait pu jouer pour l'Algérie. Oui, Mbappé, oui. Après, les gars, je pars du principe. Je pense que quand t'es footballeur, tu dois jouer là où t'es né, quoi. Tu vois, t'as capté. À part quand tu vois, genre par exemple, ils étaient en vacances, donc du coup, c'est pas fait exprès qu'ils soient nés là quoi. Non, sérieux, c'est trop les blessures. Ouais. Un joueur en plus se blesser. Bah, après, heureusement, c'est pas non plus un cadre incroyable. Hein. Salut Nono. Ah, les Marseillais qui vont centrer, attention, et ça sera un corner pour l'OM. Wesh, dose, calme, tranquille mon cousin. Le téléphone est tombé. Non sérieux, c'est trop les blessures. Ouais, bon, ça va, je l'ai. Bon, vas-y, c'est pas, je vais te donner mon téléphone. Et j'ai vraiment une tête de con quand même. Il va falloir que demain j'aille chez le coiffeur, les gars. On va tout refaire. Allez, le corner pour l'Olympique de Marseille. Aïe, 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 ça a bugué comme par hasard au moment où il y a eu le corner. Salut à toi, Zakaria. Ah, voilà, je peux voir. Oh putain, dans 10 minutes, ça va faire. Ah, vas-y, c'est un poids. C'est quoi? Il faut faire quoi? Tu passes pendant au moins deux fois pendant la période d'essai. Ok. Bon du coup ok. Salut Loïc. Comment tu vas frérot? Tu vas bien? Pour ceux que les gars vous me voyez parler tout seul les gars, c'est parce que je suis en live sur YouTube. C'est pour ça. Pour ceux qui doivent se dire bah, qui parle. C'est parce que je parle sur YouTube les gars. Merde, attendez, je voulais vous montrer. Comment on fait? Amino, non, ça c'est. Attendez, bam. Putain, je suis nul sur TikTok, voilà. Non. Voilà, les gars. On est en live sur YouTube, n'hésitez pas à venir, les gars. On est là, nous. On est là, on est sur YouTube, les gars. On regarde le match du Barça, le Victoria, contre Victoria, Spelunguzen. Et on est sur YouTube ici. Donc, n'hésitez pas à venir sur la chaîne YouTube, les gars. Barça Chile, comme d'habitude, t'as capté, ça fait toujours plaisir. Donc voilà les gars, pour tout ce qui est
tout ce qui est live. On est en live sur YouTube. Attention que le coiffeur rate pas la coupe de cheveux, espèce d'enfoiré de. J'ai envie de t'insulter, toi. Je sais de quoi tu fais référence. Attendez, les gars. Pour ceux qui sont sur TikTok, attendez vite. Attendez, je vais essayer de vous poser. Attends. Je sais de quoi tu fais référence, espèce de bâtard. J'ai envie de t'insulter et tout. Attends. Je vais retrouver la coupe de cheveux frauduleuse. Non, les gars, vous êtes tous foutus de ma gueule. Attendez, je vais la retrouver, la coupe de cheveux. Vous inquiétez pas. Hein? T'étais là, toi, Forza Barça? Quand ça s'est passé, c'était cet été en plus. Attends, je vais la retrouver. T'inquiète même pas, mon gars. C'était où? C'était lors du match Barcelone-Juventus, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Comment tout le monde se foutait de ma gueule, c'était grave. Hein. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, attends, ça. On y arrive. Hein. Ah merde, mais non, ça c'est pas les vidéos. Je vais la trouver, t'inquiète pas, je vais retrouver ton... Quand tu te foutais de ma gueule, là. Toi, là. Tu fais jouer en direct. Il faut que je retrouve le match contre. Merde, je vois rien maintenant. Putain, il y a toujours le téléphone. Attendez, les gars. Attends, je vais te montrer la coupe de cheveux. Tu te fous de ma gueule. Ah, voilà, j'ai trouvé. Je vais retrouver ma coupe de cheveux que tu t'es foutu de ma gueule. Alicia, je suis désolé, je suis en live YouTube, je peux pas. Bonsoir, salut à toi. Wesh. Pourquoi il y a masse de monde qui me demande? Ça y est, tranquille. Ouais, c'est pour ça que tu parles, ouais. Attends. Forcément, ça, il va ressembler à Ter Stegen. Vous êtes vraiment des enfoirés avec moi, quand même. Ah, oui, mais c'est vrai que c'est grave, quand même. Ouais, j'étais vraiment obligé de montrer, de mettre une casquette, les gars. Il y avait tout le monde qui se foutait de ma gueule. Non, c'est vrai que c'est aberrant, quand même. Oh, c'est vrai, c'est aberrant, les gars. Les gars, je veux montrer. Les gars dans le chat, attendez, je veux montrer les gars dans le live. Attendez, pour ceux qui sont sur TikTok, les gars, désolé, faut être sur YouTube pour voir. Allez, vite, capture. Je vais vous montrer les gars. Oh. En vrai, quand tu regardes comme ça, c'est pas si dégueulasse que ça. Mais c'est bizarre en fait. Il n'y a que par séquence que tu. Bon, j'avais un bouton, laisse tomber. C'est le buzzer de The Voice sur le front, ouais, que j'avais. Attendez, les gars, sur TikTok. Hein. Je vais montrer ma coiffure. T'as le beau. Merde, pourquoi il écrit ça? Merde, il faut que je retrouve comment on fait, c'est là. Bah, en vrai, ça va sur la photo, je trouve. C'est pas. En vrai, sur la photo, c'était pas si. Ça se voyait pas trop. Mais c'est vrai que. Ça faisait bizarre quand même. Capture. Il est où, capture? Regardez, les gars. En vrai, ça va, les gars, non? Attends, je vais essayer de bien le coller. Attends, avec le merde. On va le coller comme si c'était... Voilà, les gars. Franchement, ça va, non? Bah, arrêtez, ça va. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, les gars. Wesh. Elle était bien en vrai. Oh la mouche. Oh la putain de ta mère, je vais la voir. Oh ça va en vrai. Vous êtes tous foutus de ma gueule pour rien en vrai. Ça allait moi je trouve. M'avez tous. Là n'empêche les gars, c'est vraiment une coupe de trou du cul là, que j'ai aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, demain coiffeur. Ça devrait aller mieux. Oh, ma mieux rasé là, tout ça. Quelle bande de chiens. Attends. Ta nuque, quelle nuque? C'est quoi une nuque? Mais quoi, qu'est-ce qu'elle a ma nuque? C'est quoi une nuque déjà? C'est le cou, non? Mais qu'est-ce qu'elle a ma nuque? Bah par contre les gars, j'avais un bouton de Tema ce bouton. Oh là là, regardez-moi. Franchement, beubard et tout. Non, en vrai, c'était bien en vrai.
pas pourquoi tout le monde s'est foutu de ma gueule. Quelle nuque? C'est quoi une nuque? C'est le cou, la nuque. Il faut recoiffer cette... Bah moi je dis vous êtes tous foutus de ma gueule pour rien, vous étiez tous jaloux, c'est tout. C'est qui Claire? Non, je suis Claire. Ouais bon désolé frérot. Un jour il faudra que je fasse un live là TikTok avec plein de gens là, ça peut être pas mal. Bon en vrai ça va. Ça va. Vous étiez méchants, c'est tout. Avec ta nouvelle coiffure, elle sera plus plate si tu la. Eh oh! Vous aimez bien me faire chier vous? Ça va, vous êtes là. Ouais, vivement là. Bon, rasé là, la barbe. Vous allez être quelque chose de ma nouvelle coupe. Wesh, wesh, y'a des gens qui arrivent sur TikTok. Les gars, venez pas, les gars. C'est pas un live normal, ça. Bon, du coup, j'ai enlevé le match de l'OM. Donc, je sais même pas si l'OM ils sont en train de perdre ou si. Je sais même pas qu'il se passe quoi du côté de l'OM. Il se passe quoi? Toujours 1-1. Ah bah putain. Mamma mia, la mouche. Il a tout, hein. Ça, il passe trop longuement les minutes. Je peux même plus voir le match de l'OM. Corner pour l'OM.
merde. Franchement, ça marche, ça, trop content. Ouais, j'avais oublié qu'on était en live YouTube. Excusez-moi, les gars, wesh. Viens de ta nuque. Il va revenir en live. Il va avoir la coupe aujourd'hui à Alba avec la grève de cheveux. Ouais, en vrai, si je peux avoir une grève de cheveux, je la fais. Hein. Parce qu'en fait, les gars, si vous avez pas capté, en fait, je regarde en bas. Parce qu'il y a le live TikTok. J'ai fait un deuxième live TikTok. Fais combien je vais te dire ça, frérot. Merde, excusez-moi, les gars, wesh. Elle est complètement zappée. Parce que d'habitude. J'ai le chat et le match, sauf que là en fait il y a 1-0 pour Liverpool. Fait combien Dylan, ouais, du coup force Barça trop content. Vous pensez quoi d'une arrivée? Moi j'en veux pas perso, de Kanté au Barça j'en veux pas du tout. Les gars sur TikTok, évitez de mettre des bon, évitez, bon, en fait, comme vous voulez, mais en fait, c'est pas un live, parce qu'en fait, pour live sur l'ordinateur, il faut un live de 25 minutes, donc c'est pour ça que je fais ce live, d'accord? Je suis en live YouTube actuellement. Pourquoi? De quoi pourquoi? Ben, Liverpool, ils sont en train de gagner 1-0, pourquoi tu veux que je te réponde à ton pourquoi? C'est parce que Liverpool, il gagne. Mais nous y attention, le centre. Jane, tu te souviens du mec dans les commentaires qui disait que la Porta était africain? Ah ouais, non, mais lui, il était incroyable, ce mec. Il était incroyable, ce mec. Il était incroyable ce mec. Avant la grève de. Ah non, quel enfoiré, va. Bâtard de merde. C'est bon les gars, c'est fini le match du Barça les gars. On va regarder le match de l'OM tranquille ensemble. C'est fini le Barça, ouais. Merci en tout cas à tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne YouTube les gars, vous êtes des cracks. Je suis mort, hein. Je te rappelle de moi, je m'en souviens plus, frérot. Mais parce que là, en fait, je suis en live sur YouTube, pour ça, comment ça s'appelle, live TikTok. Je fais pas trop grave parce que je me suis fait ban sur l'ordinateur. Mais là, juste après, là, je fais, comment ça s'appelle, je fais juste quelques minutes de live ici. Il faut que je fasse encore 20 minutes de live ici et après je fais un live sur l'ordinateur, sur le PC quoi. Donc du coup c'est pour ça. Je préfère faire un live sur le PC que sur merde, pourquoi je vais là. Tu t'es même aboté. Ah oui, ça me dit quelque chose, ouais. Ah oui 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 oui, oui. C'était au premier live TikTok, ouais. Ouais ouais, je vois, ouais. Ouais, oui, 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 je m'en souviens, ouais.
On est en, je suis en live là actuellement sur YouTube, frérot. Tu as vu le match? Oui, bah oui, bah, je t'en live sur YouTube. Bah, attends, bon, du coup, je suis obligé de filmer comme ça, mais t'as capté là? Ah merde, mais je suis con! Pff, pourquoi je fais comme. Eh, mais je suis vraiment un zgeg, la vie, ma parole, je suis vraiment un zgeg, j'ai juste à faire ça. Moi, comme con, j'étais comme ça parce que je croyais que je filmais en selfie. Mon dieu. Ouais, du coup, je suis en live. On est en live, c'est pour ça, frérot. Mais là, il y a le match de l'OM, écoute. Hein. Voilà quoi. Tu penses que la France va faire quoi la Coupe du Monde? On va voir. Hein. J'arrive YouTube alors. Merci frérot. De toute façon, d'ici 20 minutes, je coupe le live TikTok. Moi, honnêtement, l'homme du match, j'irai ben, par rapport à l'assist et au passe des touches. Je penserais peut-être à finir avec un hommage. Yo FCB Prods. Et du coup t'étais là sur TikTok quoi. Ouais, mais bon, en trip, c'est pas trop faire à finir, les gars. Bah, je l'ai pas tué encore la mouche. Mais je la vois plus, elle m'embête plus, donc c'est le principal. Ça m'embête plus, c'est le principal. Ouais, il est nul en fait en ce moment, je sais pas ce qu'il a. De toute façon, hein, parce que. Comment as-tu trouvé le match du Barça ce soir? Bah, honnêtement, pas très ouf. Bah, après, c'était aussi l'équipe 2, quoi. Donc, bon. On me dira. Hein. Oh là là, 2-1 pour Tottenham. la vie de ma mère, respectez-moi maintenant sur YouTube. Respectez-moi, vous étiez tous comme des fous en première mi-temps. Je vous ai dit, calmos, calmos les gars. Ouais. Oh, il reste.
Oh là 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 là, putain, eh, Mohamed Deni doit être comme un fou là, maman. Mais non. Comme quoi le foot va très 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 vite, hein. Il y a 30 secondes, ils étaient en train de se battre pour être en, se qualifier en Ligue des Champions. Et au bout de 30 secondes, ils sont éliminés de toutes les compétitions. C'est incroyable. Ah bah attends, je vais comment ça s'appelle, je vais faire chez mon collègue marseillais, tiens. Ah là, elle va exploser là la télé de Mohamed Deni. Attendez les gars, il faut que. Oh là 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 là. Eh ben putain. Oh my goodness. C'est quoi ce match de ouf? Bon du coup les gars, vite fait, bon vous êtes encore pas mal sur YouTube les gars, donc on va, je pense, on va peut-être attendez, on va quand même faire les 25 minutes de live sur TikTok, et après je vais pas faire de live TikTok, je pense qu'on va faire directement le débrief directement sur YouTube. On va faire directement le débrief sur YouTube. Donc les gars, vous dans le chat, n'hésitez pas à me dire ouais, j'ai vu que la petite cour, ils ont fini quatrième. Donc du coup ouais les gars, vous dans le chat, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce que vous avez pensé du match du Barça, aussi tant qu'on y est, on peut aussi parler du match de l'Olympique de Merveille, bon, qui nous a fait un petit peu de la dé aujourd'hui, mais bon, voilà quoi, c'est une habitude à force. Donc on va quand même mettre, attendez, on va quand même mettre Twitter les gars. Alors officiel, l'OM est éliminé de toutes les compétitions européennes. Ça fait un petit peu chier quand même, parce que voilà, mais bon, moi je marque. C'est incroyable, but de Hojbjerg. Alors, on va voir un petit peu les réactions. La clim, froid. Ah les enfoirés. Les Parisiens pensaient qu'on allait perdre Rio. Toute cette Zumba en mode finale pour encore être éliminé en poule. La clim est monumentale, bah, c'est du jamais vu, même l'Europa League s'est perdu. Tu te fous d'eux en mode ton club n'est pas en Europa. Ah, Ivan le Barça. En tant que supporter parisien, je me suis régalé. Aïe aïe aïe, c'est vraiment des enfoirés. Les Parisiens qui se moquent de nous, n'oubliez pas que dans 3 mois, c'est pareil que nous, hein. Dans 3 mois. Ah, par rapport au PSG. Éclaté la défense catastrophique. Ah ouais. Mais attends, tu parles de quoi? Du Barça ou de l'Olympique de Marseille? Ah bah dis donc. Aïe 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 aïe, ça fait mal, hein. Qu'est-ce que ça fait mal? Attends, on va aller voir un petit peu si j'écris OM. Il n'y a pas des supporters de l'OM qui diffusent, qui genre parlent du match. Oh, il y a l'émigré parisien et tout. Hein. Attends, oh mais il y a Mohamed Deni, mais wesh! Il y avait Mohamed Deni sur le live. Attends les gars, j'enlève juste ça vite fait pour pas que. Il s'est battu, t'as vu, il a perdu. Mais là, il s'est battu? Ah bah oui, là le. Ah, attendez les gars.
Attendez les gars, je regarde la vidéo. Ah, tu parlais de la défense du Barça. J'avoue que, ouais. Bah, après, c'est l'équipe d'aussi. Attends les gars, je suis en train de regarder mon métier, je suis mort. Ah les gars, je suis trop mort en vrai, ça me tue de rire. Les gars, alors attendez, c'est bon maintenant. C'est bon. En fait, je vous explique pourquoi j'ai rigolé comme un con, parce que. Je regardais comment ça s'appelle la réaction de Mohamed Deni quand ils se sont pris le but dans les dernières secondes et ça m'a tué de rire, ça m'a tué de rire. Du coup c'est pour ça que j'ai rigolé comme un con. Aïe, c'est un match difficile à jouer. Attendez, c'est un match difficile à jouer quand on n'a aucune chance de se qualifier. Pour certaines choses, je suis satisfait, pour d'autres, moins. Bon, après, ouais, c'était pas très fameux non plus, Xavi. Allez, on va voir un petit peu ce qui se dit concernant le Barça. Il a fait quoi, je vais devoir. Aïe. Oi! Homme du match, Ferran Torres, les gars. Bon, ben, étonnant, mais bon. Ferran Torres, homme du match, les gars. Voilà, le Barça a gagné, ouais. Ce soir, je regarde le match juste pour Pablo Touré. Hâte de voir ce qu'il a dans le ventre et dans les pieds. Bon, il a marqué un but, donc tu dois être content. Le Bayern Munich qui gagne, malheureusement. Voici l'homme le plus recherché de France, j'en peux plus. Aïe. Pablo Torre va bien. Ok, bonne nouvelle les gars, on a une bonne nouvelle. C'est Elena Condis. Comment elle est, Elena, un petit peu? Non, pas très bien, pas trop ouf. Pas ouf. Ah, quoique. Non, pas très ouf. Non, pas très ouf. Non. Ok, bon, du coup, il va bien, Pablo Torre, donc tant mieux. La frappe de fou. Prends exemple, Ferran MDR. Je suis parisien, mais je suis désolé, mais Mbappé est top 3 défenseur au monde. Il n'est pas troisième. De quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte, Mbemba? Il a oublié qu'on s'appelle. Il a oublié Araujo, je crois. Bon, on regarde un petit peu ce qui se dit. Les Ivoiriens sortent blessés. Ouais, Franck Kessié est sorti blessé. Bon, on attend un petit peu des petites réactions de Xavi et compagnie. Bastien, des faux matchs que le Barça gagne. Ouais. Eric Maxime Choupo-Moting est élu l'homme du match. Mbemba mérite mieux que l'OM. Je déclare si on se vanne. Marseille ouverte, Marseille qui essaie de passer les poules depuis 14 ans, ça fait 16 parties depuis qu'il perd. Quel enfant, quel bon. Le bilan général est négatif maintenant, la Ligue Europa reste avec de bonnes équipes, nous allons nous battre pour la gagner, pour conquérir jusqu'au bout. Voilà, bonne réaction de la part de Xavi. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à tous ceux. Partage-nous ton rire. Mais les gars, je peux pas montrer ce que. Imaginez, je me fais ban à cause de montrer comment s'appelle la vidéo. Pour ceux qui veulent voir, attendez, je vous. Merde.
Je vous mets le lien. Attendez, vite fait, je vais juste enlever parce que en fait il faut que j'aille sur mon historique et j'ai peur de j'ai peur des vidéos que j'ai pu regarder juste avant parce qu'à tout moment j'ai regardé des imagine des vidéos bizarres. Même si non, j'ai pas regardé des vidéos bizarres, mais t'as capté, tu vois, j'aime pas trop. Hop, les copier votre chaîne. On va sur le Victoria's Blablabla. Voilà, bon, voilà les gars, pour ceux qui veulent voir pourquoi je rigolais, c'était pour ça. C'était pour ça. Bah allez, du coup, cet homme est extraordinaire. Alors, j'aimerais bien voir le dernier tweet qu'il nous a posté, Nabil Djellit. Fallait 11 Mbamba sur le terrain, Guendouzi m'a tué. Kouzinak m'a tué. J'avoue que était au courant qu'ils étaient 3e avant le but de... Supporter à Marseille, quel est le problème? Igor Tudor, joueur. On va voir. Ah, Igor Tudor. Je vais démarrer bien en sursaut en pensant au match de Bellerin. Ça s'annonce mal pour Kessié jusqu'à la blessure. Il a fait un match remarquable. Il était très bien placé. Ok, d'ailleurs, j'ai vu qu'il devait partir, je crois, Franck Kessié. Franck Kessié, il y avait peut-être moyen qu'il se casse de Barcelone cet hiver. Les Marseillais se moquaient du Barça qui était reversé en Europa League, tout ça pour jouer zéro coupe européenne la semaine d'après. Ah, ça par contre, ça oui, ça par contre, je retweet direct, les gars. J'avoue que ça. Ça va être toi, quelle vidéo bizarre. Non, mais on sait pas. Oh, ok, merci. Non, c'est pas une vidéo bizarre en fait. C'est genre, par exemple, imaginez, vous voyez mon historique et là, vous voyez, genre, j'écoute du. Attends, on peut dire quoi? Un truc pourri quoi. Du barbecue, tu vois, tu t'as capté quoi. Chute. Allez, on va lui écrire chute parce qu'il a dit qu'on était la pire commu de tous les temps. Espèce d'enfoiré. Aïe 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 aïe. Il n'y a pas des nouvelles réactions, merde, concernant le match. Ça fait 10 ans que l'OM ne s'est pas qualifié pour une phase finale de la Ligue des Champions. Aïe, triste. Pablo Torre, 19 ans, est le deuxième plus jeune Barcelonais à marquer lors de sa première titularisation en Ligue des Champions après Giovanni Dos Santos en décembre 2007 contre Stuttgart, 18 ans et 215 jours. Ah mais wesh! Mais il n'y avait pas un 0 pour Liverpool de base? Moi si, il y avait... Ah si, il y a eu même 2-0 pour Liverpool, les gars. Cool. Ça va. J'ai vraiment la haine. On voit enfin un milieu marqué, ouais. Des sites bizarres surtout. Non, parce que ça, comme on appelle les sites bizarres, c'est sur Google. Et encore là, je suis sur Opera comme opérateur. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de trucs bizarres sur Opera. C'est vraiment sur Google. Google, navigation privée. Et là, tu te fais plaisir, mon gars. Tu te fais plaisir de ouf. Eh, franchement, les gars. C'est ça en fait. Des fois c'est bien quand tu fais des tweets comme ça, genre parce que c'est cool et tout. Mais le calme avant la tempête, mais là comme ils doivent se faire tuer. Attends, j'ai envie de trouver un col. Ah. Les Marseillais c'est quoi ça? Les autres dites rien. Ah. Vous êtes des grosses merdes. Ouais mais ça y est, voilà, vous abusez à chaque fois. Faites ça jamais, on peut être. Ouais, peut-être. Le calme avant la clim. J'espère qu'on va se régaler. Ah là 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 là. Mais bon, c'est la vie les gars. Je me moque parce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui se sont moqués du Barça. Oh la vengeance de Liverpool. Ouais bah du coup attendez, bah, maintenant il y a eu des... Il y a eu des trucs, donc LDC, on va aller voir un petit peu ce que ça dit, tout ce qui est classement et tout. Merci en tout cas pour les 34 spectateurs simultanés. Bon du coup Liverpool, ouais, les 5 derniers matchs Liverpool, ils ont tout gagné. Putain, qu'est-ce que j'aimerais bien moi que ce soit tout ça là. Nous aussi tout vert. Du coup Porto Club Bruges qualifié, ok, Bayern Inter qualifié, c'est dans le foire de merde. Par contre ça c'est honteux les gars, c'est honteux qu'il n'y ait qu'une seule victoire. Sérieux, c'est pas beau. Tottenham qui se qualifie en faisant 2 victoires de match nul. L'OM. Chelsea
Chelsea qualifié avec la 6 Milan. Bon, remarque, ouais, non, c'est demain, ça va se. Peut-être se bouger. Ouais, Juventus aussi, hein, disqualifié, les gars. Donc, bon. Voilà, voilà, les gars. Voilà, voilà. C'est bon, les gars. J'ai fini les deux live TikTok, ce qui veut dire que logiquement, je peux live maintenant sur l'ordinateur, ce qui est tant mieux. Ligue des Champions, deuxième. Oui, mais ils sont. Oh, la vengeance. Ouais, ouais, ouais. Si c'est sur Google, c'est bizarre. De quoi c'est Google, si c'est Google, De quoi, qu'est-ce qui est bizarre? Attendez les gars, il faut que je fasse une photo. Hop là, on envoie ça vite fait à la famille. Parce que ça a fait que m'envoyer des messages durant le live. Et du coup c'était pour montrer que je t'en live. Ligue des Champions deuxième, ouais, je vois ça. Bon ben, écoute, pour toi qui va gagner la Ligue des Champions? Ah, oh, je sais pas. Oh là, je sais pas du tout. Ça sent pas bon pour Kessié. Igor Tudor était littéralement sur la pelouse pour incendier ses joueurs avant le but de Holzberg. Le parcours de l'OM. Ah, ça y est, ça va me trop. En fait. En fait, je rigole parce que voilà quoi. Tu ne peux pas jouer sans Alexis en pointe parce que sinon tu fais rentrer Luis Suarez qui a des pieds crochus comme la sorcière d'hier soir d'Halloween. Ouf, ça tire à balle réelle là. La Tico aussi, ils ont été éliminés. Nous ne méritons pas de passer en 8ème de finale ou en Europa League si on ne peut pas gagner un match en phase de groupe. C'est ce qui arrive. Maintenant, nous devons serrer les fesses, fermer nos bouches et lutter. Ouh, très bien dit ça. Ok, toi tu dis. Ouais, moi honnêtement, je pense que ça peut être la bonne pour le Paris Saint-Germain. Écoutez, vous allez peut-être m'insulter d'avoir dit ça, mais je pense que oui, c'est la bonne pour le Paris Saint-Germain, les gars. Je pense que c'est la bonne, ouais, pour le Paris Saint-Germain. Avec un Messi en feu comme ça, ça rappelle trop le Messi, t'as capté là. Le Messi Prime à Barcelone. Donc, ouais, hein. Je pense, on va voir, hein. On verra. On verra, les gars. Bon les gars, je vais bientôt couper le live, hein, les refs, hein. Je vais bientôt couper le live. Donc voilà. Je vais quand même. Attendez, je vais aller voir quand même vite fait si je peux le live en fait sur TikTok. Est-ce que maintenant j'ai l'autorisation, oui ou non? Il y a peut-être moyen que demain je fasse un live sur les matchs qu'il y a. D'ailleurs, il y a quoi demain comme match? Bonne question. On va aller voir ça demain. Maintenant. Alors, il y a quoi comme match, pardon? Alors demain, on a. Bon, je serai pas là pour Real Celtics. On a. Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester City, ouais, il y a peut-être moyen que je regarde Paris Saint-Germain, Juventus pour voir un petit peu Messi. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout pour moi pour demain. Mais wesh, exigence, ton a été retiré moins une fois. Tu peux obtenir de quoi 6 dessous pour 180 jours, mais putain de ta mère. Tu vois, il n'a pas été un ami. Ah, ça y est, ça m'énerve, c'est pas grave. On fera un peu de live, écoute. Ça, oui, tu as tout compris. Par contre, cette année, je ne veux pas le voyage toujours si bien je casse ma télé. Oh, bah, ça serait con cool de casser ta télé pour ça. Bon, les gars, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, les gars, ceux qui sont présents sur le live encore, les gars. Je le dis pas assez, mais n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Très important, bro. Un petit abonnement qui fait plaisir. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Et là, n'hésitez pas à vous abonner, les refs. Ah bon, on est 16 700. Moi, les gars, je le dis, je veux les. Comment ça s'appelle? Les. J'ai perdu le mot. Je veux les 20 000 abonnés pour janvier, les gars. Je veux les 20 000 abonnés pour janvier. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Je veux les 20 000 abonnés. Donc, abonnez-vous, les refs.
Pablo Torre a des rampes, rien de plus. C'était un match exigeant, il a été plutôt bien. Ça, c'est vrai. Abonnez-vous pour les 20K. Ouais, exactement, les gars, on tente les 20K. Hugo Lloris a été élu homme du match. Wesh, wesh, c'est moi ou il... sa tête est bizarre. Tellement le match était nul, il n'y a que lui qui mérite, hein, d'ailleurs. Peter, on dirait un alcoolique à fond, mais c'est bizarre, ouais, sa tête. Mérité, bah non. Je t'adore, capitaine, hein, mais fallait garder tes forces pour le mondial. Pas mérité, Kolisinac, il mérite mieux. Wesh, la dégaine au réveil. À fond, ouais, c'est ça en plus. Bah, c'est le capitaine de l'équipe de France, les gars. Pourquoi c'est allé 20K comme défi? Je sais pas du tout, les gars. J'ai rien fait pour les 10 000. J'ai fait quoi pour les 10 000? J'ai rien fait, je crois, pour les 10 000. Je pense pas faire quelque chose pour les 20 000, je sais pas, on verra. On verra. XD, un alcoolique à fond, mais ouais, je te jure. Bon, les gars, n'hésitez pas à vous abonner là. Là, je veux pas le voir garder sur 11 là, comme ça. Là. Je vais réactualiser, les gars. Gare à vous si vous n'êtes pas abonné, c'est bon. Bonne nuit à tous. Le mec, à tout chill. Bonne nuit. Ouais, moi aussi, les gars, je vais couper le live. Je vais couper le live, les gars. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui ont été présents sur le live. Ça m'a fait énormément plaisir. Ça a été un live de fou, quand même, je trouve. C'était plutôt cool. Vous avez tous été. Et tout, et franchement le match il s'est bien passé, donc merci à vous, à tous qui ont été présents. Pour demain dès que je rentre de mon entraînement, j'essaierai de vous tourner une petite vidéo concernant l'actualité du Barça, si bien sûr il y a. Cool ta vie. Attends, non, c'est un mauvais. Non, les gars, vous allez. Cool ta vie, va jouer en Ligue 1. Honte à toi de faire partie de cette commune la plus horrible du monde. Cool ta vie, va jouer en Ligue 1. Non, cool ta vie, va dormir. Ah putain, j'ai envie de vanner par rapport à la Ligue des Champions. Cool ta vie, va dormir. Il reprend des forces, s'il te plaît. C'est vraiment ripou, mais j'ai pas envie d'insulter parce que, vous savez, à chaque fois, ça va très vite, les gars. Honte à toi de faire partie de cette. bonne nuit, mais si c'est prépare pour le mondial et si Neymar, tu me donnerais raison. Ouais. Ben, c'est pour ça, de même, peut-être qu'il y a moyen que si j'ai l'accès sur le live. Les live TikTok, les gars, ben, y a peut-être moyen que j'arriverai le match du Paris Saint-Germain. Donc on verra. J'attends juste qu'il me réponde, l'autre là. J'attends juste sa réponse. Oh, putain, j'aurais dû lui écrire chute. On reprend ta parole. Bon, dormir demain, il y a école. Ouais, mais j'avais envie d'écrire ça, mais imagine le mec, il a 47 ans, t'imagines. De toute façon, le mec, il est fan des Marseillais, s'il te plaît. Hein. Le cross. Oh là là. À partir du lundi 14 novembre. Oh putain de merde. On a touché le fond. Là, c'est vraiment un supporter de Marseille, fois mille. Oh là là. Oh là là là. Même pendant les moments compliqués, je serai toujours présent. Allez, l'OM. Go se construire et se remonter au classement de Ligue 1. Vu que l'OM est éliminé, il reste que le Real Madrid à supporter. Oh, quelle horreur! Oh là 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 là. Tu dors, dégage, merci, rendez-nous. Un vrai entraîneur. Nouvelle photo de profil. Il y a vraiment des gens quand même. Bah, moi, avant, je regardais. J'avoue, avant, je regardais. Oh là, il m'a répondu, je crois, non? Ta gueule. Pleure. 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 Qu'est-ce que j'ai fait? Wesh, ça veut dire quoi ça? Attendez, on va aller voir sur Google Translate. Je n'accepte pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas envoyer? Il a dû me bloquer, non? Il a dû me bloquer, non? Le pauvre. Miskina, le pauvre. Ça se fait pas. S'il faut, ouais, c'est un petit gamin de 12 ans. Le pauvre, ça fait de la peine. Ouais.
Le tweet auquel vous essayez a été supprimé ou n'est pas visible pour vous. Ah, ça veut dire qu'il a. Ça veut dire qu'il a. Il a. Qu'on s'appelle. Il a enlevé le taggle, je pense, non? On va voir discard. Ah ouais, t'as vu, il m'a enlevé le taggle en fait. Il a pas assumé. Cool ta vie. Ok, bah. Ok. Ok, bah j'attends un petit message de sa part, non? Pas un message. Bon, bah tant pis, il m'avait écrit ta gueule et j'ai pas pu répondre parce qu'il a effacé. Non, en vrai ça se voit, non, en vrai ça a l'air d'être un bon petit bonhomme, ça se voit. Non, en vrai, tranquille. S'il me répond, je lui dirai tranquille, en vrai. Ça se voit, c'est un gamin, il a pas envie d'écrire ta gueule et tout. Il est mignon. En plus, si on gagne les Marseillais, il est mignon. Ah là 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 là, je te jure. Bon, il me répondra pas. Bon, les gars, moi je pense que j'ai coupé le live en plus, hein, les gars. J'ai coupé le live, donc franchement, on a que des crampes en deux plus. C'était un match exigeant. Il a plutôt été bon pour encaisser. Cela s'annonce pas bien. Il est triste car il s'est fait mal à la cuisse. Il faisait un match remarquable jusqu'à. Ah là 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 là. Il ne disputera aucune Coupe d'Europe l'année prochaine. Pourquoi l'année prochaine? Pas ici que ça se foutait de la gueule de Monaco. MDR, pourquoi vous essayez de créer une rivalité avec l'OM? Vous n'avez pas un quart du palmarès marseillais. Il assume pas, il est mignon. Ouais, bah oui, tranquille, quel manque de respect. Mais non, tranquille le pauvre. Lui en plus, je lui ai rien dit du tout. Je lui ai dit. Merde, ben je peux même plus voir. Ah, ben je peux même plus voir ce que j'ai écrit. Ah, mais il m'a bloqué, les gars. Il m'a bloqué, ok, c'est pour ça. C'est pour ça, les gars, il m'a bloqué. Regardez, je peux plus voir son truc. Ok, il m'a bloqué. Ok, normal, les gars. Normal que je peux plus voir son compte. Il m'a bloqué, cet enfoiré. Il a mal pris. Je crois que ce soir, il va en bloquer beaucoup, malheureusement, des personnes. Ah là là, vous imaginez, les gars. Attendez, il fait très froid. Les enfoirés. Vous imaginez, les gars, le Barça, ils se font éliminer de l'Europa League et genre ils me débloquent pour tout simplement me faire chier, t'imagines? Donc bon, du coup, les amis, là, c'est la bonne. Je vais vous laisser tranquille, il est déjà 23h27. Merci en tout cas à tous ceux qui ont été présents.